Hello, everybody. How's everybody doing? How are you? Hello, everybody. Welcome. Welcome to the master class. I appreciate you guys being here. Merci d'être là. Mettez-moi d'où vous vous connectez dans le chat, s'il vous plaît. Please tell me where you're connecting from, everybody. Welcome. Welcome, everybody. Welcome. Thank you. Thank you for being here. Thank you, everybody. Thank you. Mettez dans le chat d'où est-ce que vous vous connectez. Est-ce que c'est la France, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Burkina? Welcome, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Yes. Beautiful. Merci d'être là. Bienvenue à tous. Bienvenue à cette masterclass inédite, tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire ce dimanche, mais vous avez décidé d'être là parce que l'anglais est extrêmement important pour vous. Vous le savez aussi bien que moi. So please put down where you're connecting from. Wow, ça défile très rapidement. France, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Morocco. Wow, Canada in the house, Guinée-Conakry. Il y a beaucoup d'Ivoiriens dans le chat. Wonderful. Tout le monde, si vous pouvez taguer des gens, vos amis, etc., taguez-les dans le chat parce que cette masterclass, ils ne doivent absolument pas la manquer ce soir. Thank you, everybody. Thank you for being here. I appreciate it. Wonderful. Merci, merci, merci. Merci d'être là en masse. Yes. Let's do this, everybody. Let's do this. Beautiful. Donc, taguez les gens. Si vous avez des amis sur LinkedIn, taguez-les. Si vous avez des amis sur Facebook, taguez-les afin qu'ils puissent nous joindre, tout le monde. Beautiful. Thank you. Donc, aujourd'hui, s'il vous plaît, réservez 2 heures pour cette masterclass. Very, very important. If you want to change your life and you want to change your English, I would like for you guys to save 2 hours for this masterclass. Without further ado, let's get started, everybody. Beautiful. Merci, 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 merci d'être là en masse. Beautiful. Alors, j'ai une question pour vous, tout le monde. I've got a question for you. Aimeriez-vous que je vous révèle gratuitement le plan exact que suivent nos élèves payants, okay, pour maîtriser l'anglais rapidement malgré le fait qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils manquent de confiance en eux? Et qu'ils n'ont pas d'amis avec qui parler. Do you want me to share that with you, everybody? Do you want to know? Yes, ça marche. Ça marche, tout le monde. C'est le plan. C'est le plan de ce soir, everybody. It is the plan for tonight. I appreciate it. Donc, prévoyez, comme je l'ai dit, 2 heures pour cette masterclass et veillez à fermer vos onglets, les navigateurs et tout ça. Tout ce qui peut vous distraire ce soir, fermez-les. OK? C'est extrêmement important afin que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette masterclass. Alors, je dis toujours que l'anglais est un engrais. OK? Ça, c'est une phrase que j'ai personnellement inventée parce qu'elle est vraie. Aujourd'hui, pensez à toutes les opportunités qui vous est offerte, mais c'est l'anglais qui est l'obstacle, en fait. OK? C'est l'anglais qui est l'obstacle. Donc, pensez à l'anglais comme une branche. OK? Des branches d'arbres, c'est des opportunités. Chaque branche représente une opportunité. Que vous soyez à la recherche d'une promotion ou bien que vous voulez quitter votre entreprise pour aller dans une entreprise, aujourd'hui, les entretiens se font majoritairement en anglais ou bien ça se fait en français et jusqu'à un moment donné. Et puis, boum, il y a l'entretien en anglais qui bloque beaucoup de gens, même en France, hein, même en France. Pourquoi cela? Parce que l'anglais, eh bien, c'est la langue des affaires la plus parlée au monde, tout le monde. Regardez ce graphique. 1,13 milliard de personnes parlent l'anglais dans le monde, contre seulement 280 millions pour le français. Alors, donc, quel que soit votre domaine, vous avez besoin de l'anglais pour vous développer aujourd'hui. OK? Si votre anglais n'est pas bon, alors il vous sera très difficile d'exceller, quel que soit votre niveau de compétence. On est d'accord? Everybody? Do we agree on that? Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que plus de la moitié du langage Internet aujourd'hui est en anglais, contre seulement 4% du langage Internet qui est en français. Lorsque vous regardez ce graphique,
C'est clair et évident qu'il faut absolument dompter l'anglais. Je ne saurais vous dire le nombre de ressources gratuites que je vois tous les jours défiler sur LinkedIn qui sont en anglais. Si vous ne connaissez pas cette langue, vous allez passer à côté de beaucoup d'opportunités complètement gratuites. Et c'est ce qui est arrivé à Sonia avant qu'elle ne rejoigne le programme. Sonia a 44 ans, française, mère célibataire avec 3 enfants. Vous pouvez donc imaginer l'importance de l'indépendance financière pour elle afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Quand Sonia est venue me demander de l'aide, elle avait déjà passé une dizaine d'années en train de voir comment maîtriser l'anglais, mais en vain. Donc elle m'a dit qu'elle a essayé toutes les ressources, mais ça n'a pas marché et que littéralement, notre programme était son dernier recours. Et que si ça ne marchait pas, eh bien tout simplement, c'est qu'elle n'était pas douée pour apprendre l'anglais. Sonia était littéralement au bord du fossé, tout le monde. Il y avait un gouffre énorme entre ce qu'elle était et ce qu'elle savait pouvoir devenir grâce à ses compétences. Combien d'entre vous peuvent vous identifier à Sonia? Mettez-moi dans le chat. Mettez-moi dans le chat si vous pouvez vous identifier à Sonia. Put me in the chat, everybody. OK, beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Eh bien, Sonia s'est inscrite à notre programme et en l'espace d'un mois, elle m'a envoyé un message audio pour me dire à quel point son anglais avait évolué. Et pour la première fois, elle s'est sentie fière de son anglais. La seule chose qui manquait entre la façon dont elle apprenait l'anglais et la façon dont elle apprend avec nous, c'est quoi? Eh bien, ce sont les secrets du GEF que je m'apprête à partager avec vous ce soir. C'est ça qui a fait la différence pour Sonia et le fera avec vous aujourd'hui. Sonia n'a plus peur de parler l'anglais. Elle est entrepreneuse en image branding. Elle a même décroché un contrat avec Porsche, la maison de voiture. Nous avons beaucoup de cas de figure comme cela. Okay? Un autre, c'est Ulrich qui a récemment décroché un job en anglais et après avoir passé l'entretien en anglais, il y a de cela quelques mois. Okay? Aujourd'hui, il travaille et lit essentiellement en anglais. Et ceci en France. Ulrich vit en France. Okay? La photo de gauche, c'est un livre qu'il nous a envoyé, qu'il a partagé dans son groupe d'apprentissage d'anglais avec nous. Donc, vous voyez que ce livre est en anglais. Selon Ulrich, rien de tout ça n'aurait été possible sans les secrets du GEF que je m'apprête à partager avec vous ce soir. Mais attention, stop, everybody. Stop, stop, stop. Le GEF, OK? Le GEF, c'est-à-dire la méthode du GEF que je vais partager avec vous ce soir, ne vous rendra pas bilingue du jour au lendemain en claquant juste des doigts. All right? Vous devez travailler un peu. Pas beaucoup, mais une petite pratique régulière est la clé pour atteindre vos objectifs plus rapidement. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, qui peut devenir bilingue en utilisant les secrets que je m'apprête à partager avec vous? Salut Sonia, j'ai vu Sonia dans le chat. Hi Sonia, amazing. Vous pouvez communiquer avec Sonia également. Elle est dans le chat. This is a beautiful day. Qui peut devenir bilingue? Ceux qui sont occupés et n'ont pas le temps de passer des heures à apprendre l'anglais, ceux qui ont essayé toutes les solutions mais n'ont vu aucun résultat, ceux qui sont frustrés d'avoir raté des opportunités d'emploi, ceux qui ont entre 8 et 78 ans. Voici Delphine, une de nos anciennes élèves et directrice communication à Aura Group. Elle est chargée de 12 pays. Donc, elle est très occupée. Pourtant, elle épargnait du temps pour suivre les cours et tisser des relations avec ses amis de classe. Ceci pour vous montrer tout simplement que le temps ne constitue pas un obstacle quand il s'agit d'apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Et ça, c'est Lucien Pavila qui a 73 ans, un de nos apprenants, juste pour vous montrer que l'âge ne compte pas quand il s'agit d'apprendre l'anglais. Ça, c'est Chantal qui a 20 ans, étudiante en France, donc un budget très limité, juste pour vous montrer que l'argent ne représente pas un frein pour apprendre l'anglais. En conclusion, quelle que soit votre situation, le GIF que je m'apprête à partager avec vous peut vous aider. Et maintenant, je suis ici pour vous montrer les 3 secrets du GIF. All right, everybody. Secret 1, j'ai découvert un moyen simple et facile d'apprendre l'anglais, même si vous n'avez pas le temps, qui peut vous aider à améliorer votre expression orale plus rapidement que vous ne l'avez jamais fait. Ce secret va booster votre conversation. Secret number 2, vous utilisez cette application gratuite pour
apprendre l'anglais, mais vous le faites de la mauvaise manière. Je vous montrerai comment libérer sa puissance et améliorer radicalement votre accent en un rien de temps. Et ce secret va renforcer, bien évidemment, votre prononciation. Secret number three. Comment trouver des Américains pour corriger votre anglais gratuitement, surtout si vous n'avez pas d'amis avec qui échanger? Eh bien, vous serez étonné de voir à quel point c'est facile. Ce secret va catapulter votre grammaire. Donc, ce soir, vous apprendrez à maîtriser les trois éléments de base pour pouvoir parler couramment l'anglais, à savoir la conversation, la prononciation et la grammaire. Alors, lequel de ces secrets désirez-vous personnellement le plus, tout le monde? Secret number one, secret number two, or secret number three? Which one do you want, everybody? Lequel de ces secrets désirez-vous, tout le monde? Which one, which one, which one, which one? Tell me in the chat, everybody. Tell me in the chat. Tell me in the chat. All right. Secret number. Okay. I see number one, number two, number three. Number. Okay. Very good. Very good. All right, tout le monde. Tout le monde. D'abord, avant de continuer, OK, que représente l'anglais pour vous? C'est-à-dire, quelle est la valeur que vous attribuez à l'anglais aujourd'hui si vous devriez nécessairement mettre un chiffre, OK, un chiffre en euros ou bien en dollars américains? Quelle est la valeur de l'anglais pour vous? Est-ce que c'est 100 000 euros, 1 million d'euros, 10 millions d'euros? Que représente l'anglais pour vous, tout le monde? What does English mean to you, everybody? OK, ah, je veux voir le chiffre dans le chat. Je veux voir le chiffre. Que représente l'anglais pour vous aujourd'hui? Donnez-moi un chiffre. 1 million d'euros, 10 millions d'euros, 100 millions d'euros. Yes, show me. Tell me. Mm-hmm. Yeah. OK. Inestimable, n'est-ce pas? Quelqu'un a dit infini euros. Un trillion d'euros. OK. Quelqu'un a dit 10 000 euros. Seulement 10 000 euros? L'anglais ne représente que 10 000 euros? Wow! Quelqu'un a dit 500 euros. Si l'anglais ne représente que 500 euros, vous n'avez pas besoin de cette présentation. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin, en fait, de parler l'anglais parce que 500 euros, c'est rien du tout. Voilà, voilà. Je vois de gros chiffres, n'est-ce pas? Je vois de gros chiffres dans le chat. Exactement. L'anglais a une valeur inestimable. OK? Inestimable, tout simplement. All right, everybody. Alors, ces trois secrets que je vais partager. Merci d'avoir partagé vos chiffres qui concernent la valeur de l'anglais pour vous. Alors, ces secrets que je vais partager aujourd'hui sont exactement les secrets que nous avons utilisés pour aider plus de 5 000 francophones dans 50 pays à parler rapidement l'anglais. Donc, avant la fin de cette masterclass, je vais vous donner les clés pour devenir 100% bilingue une fois pour de bon grâce aux secrets du GIF. Alors, c'est important de préciser quelque chose. Les gens me voient aujourd'hui et pensent que soit j'ai grandi depuis le bas âge dans un pays anglophone comme les USA, par exemple, ou bien que mes parents sont anglophones, etc. Mais ce n'est pas le cas à tout le monde. Mon anglais avant le lycée n'était pas du tout bon. En fait, j'ai longuement souffert, tout le monde. J'étais bon à l'écrit, OK, mais mauvais à l'oral, tout le monde. J'étais embarrassé de parler. J'étais tout simplement comme vous. Mais tout a changé quand j'ai accidentellement commencé à pratiquer la méthode du GIF. Et par la suite, tout le monde, j'étais la seule personne dans mon lycée chargée de lire tous les communiqués qui étaient en anglais. J'ai été même élu président du club d'anglais 2 ans d'affilée, ce qui, avant moi, n'avait jamais été fait parce que normalement, vous êtes élu à votre 3e année au lycée, c'est-à-dire votre dernière année. J'ai même rencontré des personnes extraordinaires telles que Judith Francis, qui est diplomate américaine, était diplomate américaine en résidence au Togo. Cette femme, sans cette femme, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Okay? Il s'agissait tout simplement d'une rencontre fortuite. On l'a invitée à dans notre club d'anglais. Notre prof l'a invitée dans notre club d'anglais pour une réunion. Et après la réunion, moi, je l'accompagnais à sa voiture et elle me posait des questions. Et une des questions était, hey, Kojo, est-ce que tu vas aux États-Unis fréquemment? Et j'ai dit, non, j'ai jamais mis pied aux États-Unis. Elle dit, mais comment ça se fait? Parce que tu parles l'anglais correctement comme un Américain. Comment ça se fait? Où est-ce que tu as pu développer cet accent? Donc, et comme ça, elle a gardé contact avec moi de fil en aiguille. J'ai débarqué aux États-Unis pour mes études en 2001. J'ai fréquenté Morehouse College, qui en ce temps-là a été voté numéro 1 parmi les institutions universitaires historiquement noires
Aux États-Unis, c'est la même université où Martin Luther King a fait ses études. Et à l'époque, tenez-vous bien, j'étais le seul Togolais à avoir fait des études à Morehouse en 134 ans. Okay? Grâce à la méthode du GEF, donc j'ai commencé mes études sans avoir passé des cours de ESL. Pour ceux qui connaissent le système aux États-Unis, oui, vous allez passer le TOEFL, mais même si vous passez le TOEFL et que vous venez aux États-Unis, vous ne pouvez pas articuler très bien les mots, ben, il vous faut nécessairement passer 3 mois, 6 mois, voire 12 mois pour suivre des cours d'anglais. Moi, j'ai sauté complètement cette étape et j'ai commencé immédiatement mes études en finance en anglais. Okay. Grâce à l'anglais, j'ai fréquenté avec John David Washington, le fils de Denzel Washington. Grâce à l'anglais, tout le monde, Oprah Winfrey, que beaucoup d'entre vous, vous connaissez, a financé une partie de mes études à hauteur de 12 000 dollars chaque année. L'anglais m'a permis de rivaliser au même niveau que les Américains durant les entretiens d'embauche, lors desquels on m'a proposé 7 offres de travail lorsque je quittais les bancs de l'école. Grâce à l'anglais, j'ai débuté ma carrière comme banquier d'affaires à Morgan Stanley. La même immeuble, vous voyez cette image que j'ai mise sur la slide, c'est exactement la même immeuble, dans la même immeuble que j'ai travaillé au 34e étage. Mon premier job à Morgan Stanley, j'ai travaillé comme banquier d'affaires où j'ai gagné ma toute première année près de 100 000 euros de salaire. Grâce à l'anglais, j'ai pu lancer une entreprise à New York où j'ai embauché des Américains pour travailler pour moi et où je suis parti voir des investisseurs pour lever des dizaines de milliers de dollars. Enfin, grâce à l'anglais, j'ai pu trouver mon âme sœur, ma femme qui est américaine, elle ne parle pas le français. Donc, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on est mariés. Aujourd'hui, tout le monde, ma mission, vous l'avez deviné certainement, c'est quoi? Eh bien, c'est d'aider les francophones motivés comme vous à parler couramment anglais comme des natifs afin de vous permettre de propulser votre vie personnelle et professionnelle. Durant cette masterclass, everybody, je vais vous donner tous les outils dont vous avez besoin pour maîtriser rapidement l'anglais, même si vous n'avez pas le temps, vous êtes embarrassé de parler, vous n'avez pas d'amis avec qui dialoguer. Alors, on est prêt? Est-ce qu'on est prêt, everybody? Are we ready? Boom, c'est parti. Tout le monde avec les secrets du GIF. Préparez-vous à être transformé ce soir. On y va. Let's go. Secret number one. J'ai découvert un moyen simple et facile d'apprendre l'anglais, même si vous n'avez pas le temps, qui peut vous aider à améliorer votre expression orale plus rapidement que vous ne l'avez jamais fait. Alors, d'abord, quel problème résout le secret numéro un? Vous n'arrivez pas à trouver vos mots lorsque vous parlez. Vous vous arrêtez toutes les 3 secondes pour réfléchir, vous êtes embarrassé de faire des erreurs, vous mélangez le français et l'anglais. Qui se retrouve dans ce cas de figure, tout le monde? Beaucoup, n'est-ce pas? Exactement. Donc, le secret 1 vous évite cette situation embarrassante. On regarde très rapidement la vidéo, on revient tout de suite. Le salaire minimum, il est de 1 million net avec une voiture et puis vous avez aussi une maison. Excusez-moi l'émotion. Je vois dans votre CV que vous parlez l'anglais. Oui, je parle l'anglais couramment. I just want us to go into something because you did mention that you could actually speak English, isn't it? So, your CV, you did say something like you have a great leadership skill. So, can you tell me exactly in what context or a situation where you were able to demonstrate that leadership skills that you spoke about on your CV? Yeah. Merci. Merci beaucoup. Très honteux, n'est-ce pas? Honteux et frustrant en même temps. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de rire, mais c'est une situation qui peut arriver à n'importe quelle personne. Vous avez toutes les compétences, mais le seul obstacle, c'est l'anglais. Alors, avec le secret 1 que je m'apprête à partager avec vous, plus jamais cela, OK? Donc, c'est quoi le secret 1? OK? C'est quoi le secret 1? What is the secret number 1? C'est le secret du G, OK? Et G, c'est mis pour quoi? Devinez, pour Google, tout le monde. Google and storytelling. Everybody, storytelling veut tout simplement dire l'art de raconter un fait ou une histoire, OK? L'art de raconter un fait ou une histoire. Saviez-vous que vous pouvez utiliser Google
pour vous aider à maîtriser la conversation fluide en anglais en passant juste 3 minutes par jour. Partons du principe que pour devenir fluide, il faut absolument ouvrir la bouche pour parler, même si vous faites beaucoup d'erreurs. Okay, vous pouvez le faire au travail, juste 3 minutes par jour, hein. Avec cette technique, vous allez vous efforcer de parler pendant 3 minutes par jour. Mais comment exactement faire cela? En créant des histoires spontanées avec Google Images, tout le monde. Donc, saisissez un mot dans Google et cliquez sur Images. Ici, le mot, c'est happiness. Donc, vous verrez des centaines de milliers d'images qui ont trait au mot que vous avez saisi. Trouvez une image qui vous inspire. Voici un exemple d'image parmi tant d'autres. Ensuite, prenez votre téléphone et enregistrez une histoire créative. Tout simplement, vous prenez le téléphone comme si et vous enregistrez, vous commencez à enregistrer une histoire créative autour de l'image, tout le monde. Donc, récapitulons très rapidement avant de continuer en 3 étapes. Okay? Première étape, vous allez sur Google, vous tapez le mot de votre choix. Okay? Donc, vous allez sur Google, vous tapez le mot de votre choix. Deuxième étape, vous faites défiler les images et trouvez celle qui vous plaît. Étape 3, enregistrez-vous tout simplement en un court message, OK? Juste un court message audio autour de cette image. Je détaille le process, hein? Je vais détailler le process afin que vous compreniez exactement quoi faire et surtout comment le faire. Donc, enregistrez-vous pendant 2 minutes maximum, hein? 2 minutes maxi. Soyez relax, s'il vous plaît. Soyez relax, ne soyez pas nerveux. Parce que lorsque vous êtes nerveux, le système nerveux shuts down. Ça se plante, ça se bloque, ça ne vous donne pas les mots que normalement vous connaissez. All right? When you're nervous, your brain shuts down. It will not allow you to find the words that you could have otherwise found easily. Donc, réécoutez l'audio la nuit. Okay? Donc, ne l'écoutez pas immédiatement. En d'autres termes, après l'enregistrement, occupez-vous de vos activités, okay? Vaquez à vos activités de la journée et revenez tout à fait le soir pour réviser. Et en révisant, prenez soin de noter les mots que vous n'avez pas pu trouver en vous servant de Google Traduction. Okay? Et ensuite, enregistrez la même histoire encore une fois. Okay? Enregistrez la même histoire. Vous allez voir que maintenant, l'histoire sera meilleure parce que vous vous souviendrez des mots que vous avez cherchés sur Google Traduction. Et c'est comme ça qu'on évolue pas à pas 3 minutes par jour. That's it, everybody. Répétez tous les jours avec une nouvelle histoire créative. Okay? Pour ceux qui peuvent, ne peuvent pas parler, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont niveau zéro carrément ici. Ce que je recommande que vous fassiez, c'est quoi? Au lieu d'enregistrer directement ce que vous ne pouvez pas faire, prenez le temps de rédiger l'histoire. Okay? Une histoire d'un paragraphe, ça suffit. Même 30 secondes, ça suffit. Rédigez l'histoire et puis vocalisez l'histoire. Donc, lisez l'histoire. Vous allez voir qu'après 3-4 semaines, vous n'aurez plus besoin d'écrire l'histoire avant de l'enregistrer. All right, everybody. Donc, maintenant que vous comprenez la fondation de ce secret, comment le faire passer au niveau supérieur pour décupler votre progrès? C'est très simple. Il suffit de prendre votre téléphone et d'enregistrer une vidéo spontanée. On voit ça très rapidement dans le clip que je vais vous montrer tout de suite, comment nos élèves font cela. Donc, je vais vous montrer la vidéo d'un de nos élèves tout de suite. On y va très rapidement. Let's see if we can do this. Give me a second, everybody. All right. Give me a sec. Let's see. Les aléas du live. Let me see if I can play this video. This video doesn't want to play. This video doesn't want to play, everybody. Attendez, je vais voir si cette vidéo peut jouer ou pas. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît.
Can everybody see me? OK. Est-ce qu'on est là? Vous êtes là? Vous me suivez? Est-ce que tout le monde continue de me suivre? Can you hear me? Si vous pouvez m'entendre, dites oui, s'il vous plaît, dans le chat, everybody. Attendez un instant. Dites oui dans le chat. OK. Thank you. Thank you. Patientez un instant, s'il vous plaît. OK. All right, all right, all right. Attendez, patientez un instant. Oh, my goodness. OK, je vais voir si je peux jouer directement de mon ordinateur. Je vais partager mon ordinateur tout de suite. On va voir si on peut jouer et partager l'écran de mon ordinateur. Donnez-moi juste une minute, everybody. Give me just one minute. I promise you. Uh-huh. OK, je vais voir si je peux partager l'écran. Patientez, s'il vous plaît, les aléas du live. All right. OK. Speak to you. What's up? How you doing? I hope that you're doing great. I got an excellent night yesterday. Me, I'm fine. Yesterday, I had a very good night. I just got to the site. I wanted to say hi to you. Wish you an excellent Friday. Thank God it's Friday. Et vous voyez, il y a ses camarades de classe qui répondent à sa vidéo. Il y a même une camarade de classe qui a pris sa caméra et a fait une vidéo répondant à la vidéo. Hello, guys. How are you doing? I hope you're doing great. It's been a long, long, long time that you've not seen me in video. So I just... Donc, à force de, vous, de pousser vos limites à sortir de votre zone de confort, votre niveau d'anglais augmente de façon exponentielle. Donc, ce ne sont pas que des images Google qu'il faut travailler, mais également, vous pouvez prendre votre caméra et faire une petite vidéo parlant de tout et de rien. All right. Donc, vous avez vu la vidéo, n'est-ce pas? Ça a marché? Ça a marché, n'est-ce pas? All right, everybody. Donc, je vous explique très rapidement. Ces élèves, ils étaient extrêmement timides, tout le monde. These students were extremely, okay, extremely shy. But because they practiced the secret of the G, their level of English improved significantly. And with the improvement in their level of English, their self-confidence also improved radically. Okay, donc ces élèves étaient extrêmement timides, mais grâce au secret du G et à force de parler tout le temps, leur niveau d'anglais a évolué extrêmement et avec leur niveau d'anglais également, donc n'est-ce pas, leur niveau de confiance en eux a également évolué de façon exponentielle. Donc on va voir tout de suite notre étudiante Gain Day qui a trouvé un job grâce au secret du G. Alors comprenez que cet élève Gain Day a un niveau A1, c'est-à-dire débutant basique. Mais vous pouvez déjà entendre donc à quel point son anglais est clair grâce au secret du G juste après un mois de cours avec nous. Donc je vais partager très rapidement la vidéo. On va écouter très rapidement Gain Day tout de suite. Give me one second. Let's play Game Day. All right. Hello, Coach Anna. I hope you are doing good. I made this video to thank you and to thank you for your help with my my job interview, and I want to tell you that I got the job, and I will begin the job next Monday, inshallah. Et oui, et comme Hanan le dit, c'est cette timidité là qu'on veut vaincre. Et comment vaincre cette timidité? D'abord, c'est très motivant, n'est-ce pas, pour Game Day, très motivant.
une élève de niveau A1. Donc, sachez que vous n'avez pas besoin d'être niveau avancé pour pouvoir parler l'anglais de façon convenable. Donc, cette timidité, vous pouvez vaincre cette timidité grâce au secret du G, c'est-à-dire parler, parler, parler tout le temps. Very, very important, everybody. All right? Very important to speak all the time. All right? Donc, alors, comme vous le voyez, le secret du G ne se limite pas qu'à Google Images. Vous pouvez également utiliser des vidéos et surtout vous enregistrer devant une caméra en parlant de tout ce que vous voulez pendant 1 à 2 minutes. OK? S'il est appliqué correctement, le secret du G, eh bien, va booster considérablement votre niveau de conversation. All right? Ne serait-ce pas formidable de ne plus être embarrassé en parlant cette langue? All right? Donc, comme vous le voyez, le G est l'arme secrète pour améliorer rapidement votre aptitude à converser couramment. Tout le monde a compris, n'est-ce pas? Has everybody understood? Everybody. All right. On passe donc au deuxième secret. Secret number two. Vous utilisez cette application gratuite de la mauvaise façon pour apprendre l'anglais. Je vais vous montrer tout de suite comment libérer sa puissance et améliorer radicalement votre accent en un rien de temps. All right. Donc, de quoi parle-t-on ici? D'abord, c'est quoi le problème que résout le secret 2? Vous ne pouvez pas prononcer correctement. Les gens ne comprennent pas votre accent. Ils interprètent mal ce que vous dites. Bref, le secret 2 vous évite cette situation embarrassante. Je vais vous jouer une vidéo très rapidement de deux policiers, okay, qui veulent donner une leçon de morale à deux Américains qui se trouvent dans la voiture. Okay. Et la leçon de morale, c'est quoi? C'est la clé de la vie. C'est le bonheur dans votre foyer. C'est ce qu'il voulait dire, OK? C'est ce qu'il voulait dire en anglais, OK? C'est-à-dire, the key to life is happiness in your household. The key to life is happiness in your household. Mais à cause de leur accent un peu tordu, les choses ont failli tourner très mal. On va écouter très rapidement, donc donnez-moi juste le temps de trouver cette vidéo et de la jouer pour vous. Give me 1 second. All right. Just give me 1 second, everybody. On va jouer The Key to Life. The Key to Life. What's that? The key to life is a penis in your asshole. I beg your pardon, sir. I think you must be saying that wrong. No, no, no. The key to life is a penis in your asshole. I don't think you're saying what you mean to say. Oh, oui, oui, oui. A penis, you know, to smile, to be happy. Oh, happiness. Honey, yes. Okay. In your asshole. No, your asshole. Where you live? In your appartement, your domicile. Your house. Household. Key to life is happiness in your household. Please. The key to life is happiness in your asshole. I'm trying to tell her that. Tout le monde, je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit parce que les enfants ne sont pas encore couchés, malheureusement. Mais vous-même, vous avez conceptualisé ce qui peut arriver si vous ne parlez pas avec un bon accent, n'est-ce pas? All right, everybody, you know, j'ai pas besoin de répéter. J'ai pas besoin de répéter. Vous voulez que je répète, mais je ne vais pas répéter ce qu'ils ont dit, OK? Si vous l'avez raté, il faut revoir le replay, pour revoir la rediffusion. Alors, donc, la question qui se pose, c'est êtes-vous parfois embarrassé par votre accent anglais? Vous êtes parfois embarrassé, n'est-ce pas? Donc, comment résoudre ce problème chronique de prononciation dont nous souffrons en tant que francophones? La réponse est le secret du I. OK? I, c'est mis pour imitation. All right? Donc, imitation de vidéo. Tout le monde. Tony Robbins, le célèbre conférencier et motivateur américain, a dit ceci. Si vous voulez réussir, il vous suffit de trouver un moyen de copier ceux qui l'ont déjà fait. C'est fou, tout le monde. Comment on peut s'améliorer dans un domaine spécifique en imitant simplement quelqu'un d'autre qui le fait déjà très bien, n'est-ce pas?
Alors donc, ce secret consiste à imiter exactement ce qu'un natif américain est en train de dire pour parfaire votre écoute, votre compréhension et votre accent. Donc, ça a un triple effet. Donc, avec cette technique, vous allez vous efforcer à imiter une vidéo pendant 10 minutes par jour. Mais comment faire cela exactement? En trouvant des vidéos de natifs américains avec l'aide de YouTube, everybody. Voici la fameuse application, tout le monde. Et c'est complètement gratuit. N'est-ce pas génial, tout le monde? Isn't that amazing? Alors, comment s'y prendre exactement? Cherchez de courtes vidéos en anglais, tout simplement. OK, en priorisant celles qui ont des sous-titres. Voilà. Donc, écrivez le contenu de la vidéo. Et après avoir transcrit la vidéo, c'est-à-dire après avoir écrit le contenu de la vidéo, donc lisez plusieurs fois à haute et intelligible voix une phrase par jour. J'explique dans les slides qui viennent, OK? Donc, ne vous affolez pas, je vais bien expliquer comment faire. Donc, voici comment procéder. Étape 1, trouvez une courte vidéo sous-titrée de 10 à 60 secondes. Écrivez le contenu entier de la vidéo en vous servant du sous-titre, bien entendu, et séparez la transcription phrase par phrase, OK? Une phrase, deuxième phrase, très clairement séparez cela. C'est très important parce que chaque jour, vous allez lire à haute et intelligible voix une phrase par jour et vous allez répéter cette phrase 100 fois, 1000 fois, 100 000 fois, 200 000 fois dans la journée. Répétez, 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 répétez. C'est très important. Le but de cet exercice, c'est de submerger votre cerveau avec la répétition sans cesse de ce que vous avez, entendu. Pourquoi cela? Tout simplement pour conditionner le cerveau à mémoriser l'information et à la reproduire exactement telle que vous l'avez entendu. On va regarder très rapidement cette vidéo de cet élève qui a pratiqué le secret du I avec une de mes vidéos de motivation. Je vais jouer ça très rapidement. C'est un exercice d'imitation que je conseille à tout le monde. Donc, il a pratiqué le secret du I à la perfection. On l'écoute très rapidement. Let me share this really quickly. All right, give me a sec. In life, there is no turning back. Lost time can never be regained. So don't let life slip through your fingers. Live life to the fullest. Do what you want to do and do it often. Love others fully, no matter what the obstacles. Laugh as often as you can, no matter what wounds you carry inside. Don't let the past rob you of the present. Or the future stretch wide today. Only when time is past do you realize that it goes by too fast to let insignificant things rob you of the good times in life, everybody. It's Coach Julio, your English coach. Take care, guys. Magnifique, n'est-ce pas? This is amazing. This is amazing. C'est exactement l'ADN du secret du ISA. Vous voyez, l'imitation, mot à mot, et ça prend du temps. Ça prend du temps, tout le monde. OK? Mais vous pouvez le faire. I know that you can do it, everybody. I know that you can do it. OK? Mais ne vous frustrez pas parce que, vous savez, il a fait comme ça. Vous pensez que c'est facile, mais ça lui a pris du temps. OK? Ça lui a pris du temps. Et la chose avec le temps, c'est quoi? Les gens ne sont pas patients. Il faut être patient. Parce que c'est en forgeant, n'est-ce pas, qu'on devient forgeron. OK, donc encore une fois, ne vous frustrez pas. OK, ne vous frustrez pas. Les débuts sont toujours difficiles avant d'être faciles. All right, everybody. Exactement. Je vois des wow, je vois des wow dans le chat. All right, certains se demandent probablement comment trouver toutes ces vidéos tous les jours, etc. C'est beaucoup de travail, n'est-ce pas, pour chercher, fouiller, bêcher sur YouTube pour trouver les vidéos. Eh bien, nous vous fournissons toutes ces vidéos ainsi que leur transcription dans notre programme. Et j'aurai l'occasion de parler tout à l'heure du programme un tout petit peu plus en détail. Le programme qui est entièrement basé sur la méthode du GIF. All right, donc, voulez-vous voir exactement comment nous utilisons le secret du I pour aider nos élèves à devenir bilingues? Do you want to know? Do you want to know, everybody? All right, donc je vais vous partager la vidéo tout de suite. Pour que vous voyez que dans cet exercice qui a été fait en classe, j'ai donné à mes élèves une vidéo à imiter et vous voyez comment j'ai pris mon temps pour expliquer la prononciation de cette vidéo.
All right, tout le monde, je vais vous jouer ça très rapidement. Tout de suite, je partage mon écran. Richard said, money may not be the most important thing in the world, but it affects everything that is. You know, it affects your lifestyle, it affects your health care, it affects your level of education. It affects everything on a day-to-day basis. It affects the food you eat. So it may not be the most important thing, but it does affect everything that is important. All right. Right here, you have to say it really, really quickly. The most important thing in the world, most important thing in the world. Here, whenever you have a consonant and a, somebody put me on speakers, guys, I can hear myself. Whenever you have a consonant and then you've got a vowel in English, in American English, you do what we call word connecting. So you connect it, but it, and the funny thing about this is that you've got the T and you've got the A, so it needs to connect also, but it affects. Tout le monde, vous savez, ceci n'est qu'un aperçu, OK? Ceci n'est qu'un aperçu du cours. Et durant ce cours-là, j'ai pris mon temps pour bien décortiquer l'ADN de la prononciation américaine. Vous voyez, les Américains, ils sont natifs. Donc, du coup, ils ne savent pas qu'ils font ces gymnastiques linguistiques. Donc, il faut quelqu'un qui ait déjà marché dans les souliers d'un francophone et ensuite dans les souliers d'un anglophone pour comprendre, en fait, ces nuances-là de l'accent américain. All right, so we do this all the time. We help our students learn how to pronounce properly. Donc, ils lisent durant les cours et j'aurai bien entendu l'occasion de vous parler de ça un tout petit peu plus en détail, everybody. All right, so voilà le secret du I et comment cela vous aide à booster votre prononciation et à changer radicalement votre accent grâce à YouTube. Est-ce que je réponds à vos attentes jusque-là? Am I meeting your expectations, everybody? Excellent, excellent. Je vous avais promis 3 secrets, n'est-ce pas? Et après les 3 secrets, je vous montrerai en détail les résultats phénoménaux de nos élèves dans notre programme Résultats qui sont également à votre portée. Donc, on continue avec le dernier secret. Let's go! Secret number 3, everybody. Comment trouver des Américains pour corriger votre anglais gratuitement? Surtout si vous n'avez pas d'amis avec qui échanger, vous serez étonné de voir à quel point c'est facile. Comment est-ce possible, tout le monde, de faire ça gratuitement? Eh bien, c'est le secret du F. F, c'est mis pour feedback. To give a feedback signifie tout simplement faire un retour à quelqu'un sur quelque chose. Alors, la plupart d'entre nous, nous avons du mal à trouver des interlocuteurs avec qui échanger, n'est-ce pas? Et lorsque vous trouvez cette personne, elle ne vous corrige même pas lorsque vous faites des erreurs, soit parce qu'elle ne veut pas vous embarrasser ou bien parce qu'elle n'a tout simplement pas le temps. Et c'est compréhensible. Or, c'est en recevant du feedback sur vos erreurs en anglais que vous pourrez vous améliorer rapidement, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord que c'est en recevant du feedback que vous pourrez vous améliorer. Alors, comment recevoir du feedback de la part des personnes qui parlent très bien l'anglais? Réponse. Tambour, s'il vous plaît. Boom! Hello Talk, everybody. Hello Talk est une application mobile qui permet aux utilisateurs de pratiquer une langue étrangère, notamment l'anglais dans ce cas, okay, pour pouvoir avancer très rapidement avec des locuteurs natifs, OK? Donc, pour utiliser HelloTalk, il suffit de télécharger l'application sur votre téléphone ou votre tablette. Donc, je vais vous jouer très rapidement une vidéo, OK? Donc, voici une de nos élèves qui suit nos cours et qui passe également du temps sur HelloTalk à discuter avec des locuteurs natifs pour pratiquer davantage son anglais et obtenir un retour constant afin de s'améliorer encore plus vite. On va écouter très rapidement ce qu'une Américaine a dit à propos de son anglais. OK, on va écouter très rapidement ce qu'une Américaine a dit à propos de son anglais. On y va très rapidement. Je partage l'écran. Give me a second, everybody. Hello Talk. To help me to do that. So thank you and see you soon. Hi, Sophia. That's very impressive for you to learn English in about a year.
your English is really good. So your coach has a really good method because I understood everything you said. So congratulations. And I do get that you want to speak with native speakers. I never been to France. One day I will go. I would like to go to a place that has a lot of beaches because I like water. Have you ever been to the States, the United States before? Tout le monde. Hello Talk, everybody. Hello Talk. Donc, commencez à utiliser Hello Talk, OK, dès aujourd'hui pour améliorer votre niveau d'anglais. Dans notre programme, tout le monde, dans notre programme, tous nos coachs corrigent fréquemment les erreurs que nos élèves commettent, OK? Et ça, ça les aide énormément à avancer nettement plus rapidement, all right? So it is very, very important to correct the mistakes so that people can learn English much, much faster. Alors, voici une petite correction que moi-même j'ai donnée à une élève durant le cours. On va regarder ça très rapidement. Donc, j'ai littéralement décortiqué la vidéo de l'élève et j'ai corrigé en live durant un de nos cours les erreurs qu'elle a commises dans la vidéo. On l'écoute très rapidement. Je partage mon écran. 3, 2, 1, go. Hello, everybody. Uh-huh. How are you? Good. Today, I woke up at 6 o'clock and I took my breakfast. Now, I'm going to run before it rains. All right. So, prendre le petit déjeuner, c'est avoir le petit déjeuner en anglais. Et donc, puisque Odd a pris la peine de conjuguer au passé, ça nous oriente. Donc, on va dire I have just had. Donc, encore une fois, pour cristalliser cette leçon qu'on vient d'apprendre, c'est pourquoi j'utilise I've just had. Autrement, j'aurais pu dire I had my breakfast. Mais lorsque vous dites I had my breakfast, il faut nécessairement qu'on sache quand ça s'est passé. Parce que I had my breakfast n'est pas suffisant pour utiliser le passé simple. Et on utilise le passé simple lorsqu'on sait quand l'action s'est déroulée. Ah. Vous m'entendez toujours? Everybody, can you hear me? Okay. Can you hear me, everybody? Okay, okay. Donc, je viens d'envoyer un message dans le chat. Et donc, ça a stoppé la présentation. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez compris. Vous avez compris comment cela marche, n'est-ce pas? Donc, retour constant, secret du F. F, mis pour feedback. Feedback, c'est le retour sur ce que vous dites. It is very, very important. Si personne ne vous corrige, vous ne saurez jamais les erreurs que vous faites, n'est-ce pas? All right, so it is extremely important to have somebody to be able to correct you so that you can get better quickly. Est-ce que les gens comprennent jusque-là? Everybody understands what's happening. All right, all right, all right. Excellent, excellent. D'accord, d'accord, d'accord. Voici une de nos étudiantes de niveau débutant qui a pu parler anglais pendant une heure entière lors d'un entretien d'embauche grâce à la méthode du GIF, tout le monde. On l'écoute très rapidement. Je partage mon écran. 3, 2, 1, go. Hey guys, hope you're doing fine. Hope you had a good day. So last week I had a job opportunity with a big company here in Tangier. It was in French, and while speaking about my experiences, suddenly he switched in English. It took 1 hour. I was really, really surprised by my ability of speaking English with these people for 1 hour. It gave me a lot of motivation and more confidence to continue to practice and learn English. So thank you, Coach Joe. See you in the class. Have a good afternoon. Bye-bye. Alors, tout le monde,
tout le monde, je répète que son niveau, c'est niveau débutant. Ce n'est pas niveau intermédiaire. Donc, ceux qui pensent qu'il faut un niveau intermédiaire pour pouvoir aller à un entretien d'embauche, aujourd'hui, j'ai démystifié cela. Vous voyez, vous avez entendu tous les élèves que vous avez entendus jusque-là, à l'exception de l'élève que j'ai joué, qui a fait la vidéo, là, le secret du G, à cette exception, tous les autres élèves sont niveau débutant. Vous voyez, donc niveau débutant ne veut pas dire que vous êtes handicapé. Niveau débutant veut dire tout simplement qu'il faut encore des points de grammaire, des points de conjugaison, mais vous pouvez déjà vous décomplexer complètement et commencer à parler l'anglais. Une heure de temps, Ikram a parlé l'anglais. Elle a dit que cette expérience a renforcé sa confiance en elle. Vous voyez, il suffit d'une expérience pareille pour que votre confiance en vous puisse exploser. Mais comment enraciner cela, comment enraciner le fait d'être décomplexé, de ne pas être embarrassé, de faire des erreurs en pratiquant tous les jours. All right, everybody. Everybody understands. Do you understand what's happening, people? Today's a great day. It's a beautiful day, everybody. Wonderful. Vous comprenez ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, alors, le secret 3 conclut la liste des 3 secrets et ouvre un chapitre encore plus excitant qu'on va voir tout à l'heure. Donc, ne partez surtout pas. Les choses intéressantes ne font que commencer. Mais d'abord, OK, d'abord, pouvons-nous qualifier les résultats extraordinaires de nos étudiants de miraculeux? Je ne pense pas. Ils ont juste enfin trouvé la méthode adéquate qu'il leur faut. OK, en tant que coach d'anglais, nous aidons les gens à apprendre cette langue tous les jours et nous voyons des résultats concrets, tout le monde. Des personnes qui ont galéré avec l'apprentissage de l'anglais, 5 ans, 10 ans comme Sonia, 20 ans pour certains, et qui soudain trouvent une méthode efficace, entre parenthèses, la méthode du GIF que je viens de vous communiquer, et c'est presque comme s'ils trouvaient magiquement le talent linguistique qui leur avait manqué toute leur vie. Donc, si vous avez aussi essayé d'apprendre l'anglais, que vous avez abandonné, en pensant que soit c'est trop difficile ou vous n'êtes pas doué pour cela, aujourd'hui, je vous mets au défi de réessayer. Peut-être que la méthode qu'il vous faut, c'est la méthode du GIF, everybody. Alors, je viens de vous donner les 3 secrets qui peuvent complètement transformer votre niveau d'anglais en 6 mois. Même si vous êtes très occupé, vous n'avez pas d'amis avec qui parler, vous manquez de confiance en vous, vous êtes embarrassé de faire des erreurs, vous pensez que vous êtes trop vieux pour réussir cet apprentissage ou bien vous avez essayé en vain pendant les 10 dernières années. Est-ce que d'abord, vous avez compris la méthode du GIF? Donnez-moi un yes dans le chat si vous avez compris les secrets du GIF, everybody. Give me a yes in the chat if you understand the secrets of the GIF. Give me a yes in the chat if you understand the secrets of the GIF. Donnez-moi un yes. I want to see yes, yes, yes. That's right. Yes. Beautiful. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, thank you, thank you. All right. Ce n'est pas tout, ça ne vient que de commencer, tout le monde. Alors, je vois que beaucoup ont compris, n'est-ce pas? Beaucoup ont compris, beaucoup ont mis un yes. Cependant, le problème que je vois souvent, c'est quoi? C'est que vous comprenez quelque chose, mais dès qu'il s'agit de la pratiquer, de pratiquer cette chose, on bloque, n'est-ce pas? OK, on bloque. Et je suis sûr qu'avec toutes les informations avec lesquelles je viens de vous bombarder, la plupart d'entre vous, vous vous sentez comme cette pauvre petite fille qui a été accidentellement arrosée à la figure, n'est-ce pas? C'est beaucoup d'informations, je comprends. I know it's a lot of information, everybody. Donc, c'est tout à fait normal si vous vous sentez bombardé comme cette fille. OK, donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous avez toutes les informations, OK, mais l'information seule ne veut rien dire. C'est l'application de l'information qui génère la transformation, n'est-ce pas? Donc, du coup, pour la vaste majorité, il y a toujours ce fossé entre votre niveau actuel en anglais et là où vous désirez que ça soit réellement dans le futur. La question, c'est comment joindre les deux bouts, comment joindre les deux bords. Et c'est là que je vais vous parler de notre solution, la solution qui relie les deux bords du fossé, celle qui raccourcit le trajet entre comprendre et appliquer, la même solution qu'on a utilisée pour changer la vie de milliers de francophones comme vous et maintenant qui maintenant parlent l'anglais avec aisance. Regardez ce slide. Le pauvre, il va chercher l'eau à 43 km, ne sachant pas que water, ça veut dire eau et que c'était juste à 1 km à droite. Avec notre solution, plus jamais cela.
Regardez très bien ces deux images. Est-ce que ça vous arrive des fois, l'onglet, regardez l'image à gauche, c'est l'onglet dans votre tête, ça c'est monstrueux, c'est gros, c'est fort. Mais dès que ça sort, ça fait ouin, 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 ouin. Vous voyez l'image de droite. Donc avec notre solution, vous ne risquez plus d'être embarrassé de la sorte. Oh, regardez ce slide. Vous voyez la chenille et le papillon sont en train de boire un verre. Et la chenille dit, mais papillon, tu as beaucoup changé. Et le papillon dit, oui, l'onglet m'a fait pousser des ailes. L'onglet va vous faire pousser des ailes avec notre solution. Everybody, inshallah. Donc, si c'est OK avec vous, je vais prendre un petit moment pour vous parler de cette solution innovante dont je fais allusion. Everybody, mettez-moi un oui dans le chat si vous voulez avoir plus de détails. Give me a yes if you want to get more details. All right. OK, je vois beaucoup de yes. All right, let's go, everybody. Beautiful. Excellent, excellent. All right, let's go. Donc, voici l'offre spéciale pour vous aider à implémenter ce que vous avez appris aujourd'hui. Je vous garantis que ça vaut la peine de rester et d'écouter parce que les pages suivantes vont radicalement changer votre vie, everybody. Voici ce que vous allez recevoir aujourd'hui avec l'offre spéciale. Tambour, s'il vous plaît. Boom! 6 mois de cours d'anglais live à Kojo English. Kojo English, eh bien, c'est l'école d'anglais, l'unique école d'anglais au monde à incorporer la stratégie du GIF que je viens de vous partager dans son apprentissage. Avec Kojo English, vous avez accès à 2 cours par semaine d'1 heure chacune et des conversations 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour mettre en pratique le secret du G. Vous avez accès à des corrections sur vos messages pour vous permettre de pratiquer le secret du F, à des exercices de lecture et de prononciation pour pratiquer le secret du I. Et enfin, vous avez accès à un fort réseau de camarades de classe avec des profils très variés. En moyenne, nos étudiants bénéficient d'une hausse de salaire d'environ 7 000 euros par an grâce aux cours qu'ils reçoivent chez nous. Gardez ce chiffre en tête et comparez-le au prix de l'offre de ce soir pour vous faire une idée du retour sur investissement. All right, Kojo English n'est pas la seule chose que je vais vous donner ce soir. Kojo English vous aide beaucoup pour le G et le I et un peu pour le F, c'est-à-dire la grammaire et le feedback. Donc, pour combler le trou du F, je vous donne, boom, une adhésion à vie à Kojo Academy. C'est quoi Kojo Academy? Eh bien, c'est un programme d'apprentissage d'anglais autonome 100% en ligne qui se concentre sur la grammaire et les erreurs communes des francophones. Avec Kojo Academy, eh bien, vous avez accès à une leçon de grammaire en format vidéo et PDF, à 100 corrections de fautes par semaine. Chaque semaine, je fais une longue vidéo où je corrige 100 fautes que les francophones font tout le temps, plus le PDF de cette correction. Vous avez accès à plus de 15 heures de mes propres vidéos de motivation qui sont des cours que j'ai donnés à nos élèves. Vous avez accès à moi, bien entendu, tous les jours, c'est-à-dire que vous pouvez me poser toutes sortes de questions depuis la plateforme. Vous avez accès au programme à n'importe quelle heure, puisque c'est de l'apprentissage autonome. Vous avez accès à une certification d'achèvement du programme lorsque vous terminez tous les cours. Et comme je viens de le souligner, votre adhésion à Kojo Academy est à vie, c'est-à-dire que votre abonnement gratuit ne va jamais s'expirer, tout le monde. De quoi d'autre avez-vous besoin, tout le monde? What else do you need, everybody? Tell me what else you need. I need to know. What else do you need, everybody? Tell me. All right. OK. Vous aimeriez certainement pouvoir continuer à apprendre, même lorsque vous n'avez pas de connexion Internet, n'est-ce pas? Peut-être pendant votre trajet dans le métro, les matins, de la maison jusqu'au travail, vous n'avez pas de connexion au sous-sol. OK. Et si je vous offrais le livre numérique de 1000 pages des erreurs que les francophones font? Boum, tout le monde. J'ai passé plus de 300 heures à écrire ce livre et aujourd'hui, c'est à vous. Avec ce livre numérique, vous pourrez enfin étudier offline. Ce livre est axé sur les erreurs que les francophones font tout le temps. Donc, si vous êtes embarrassé comme Anan, OK, tout à l'heure, à faire des erreurs, il vous faut absolument ce livre. Et c'est pour tous les niveaux, hein, débutants, intermédiaires, même avancés. C'est facile à parcourir, combien même c'est 1000 pages.
All right, quoi d'autre? What else do you need, everybody? Boom! Beaucoup d'entre vous passeront au moins un entretien d'embauche au cours des 12 prochains mois. Cet e-book vous permettra de vous préparer à 100% pour le prochain entretien afin de mettre toutes les chances de votre côté. Boom! Un autre bonus. Tous ceux qui veulent voyager, ce livre rendra votre prochain voyage moins stressant. Boom! Un autre bonus, tout le monde. 7 règles d'or pour apprendre l'anglais comme un natif. Boom! Un autre bonus pour maîtriser le I du GEF. Je vous offre mon e-book intitulé « Améliorer votre prononciation avec 30 vidéos ». Eh bien, de quoi d'autre avez-vous besoin? What else do you need, everybody? Tell me! Tell me what else you need! Kaboom! 1000 expressions les plus importantes en anglais. Voici le e-book que j'ai écrit des 1000 expressions clés qui vous rendront la vie facile. Il vous faut nécessairement ce livre parce que ces expressions, vous pouvez littéralement les copier et coller dans la vraie vie. Utilisez, prenez toute l'expression et utilisez cette expression. Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Boom! Un autre bonus, le e-book des 150 sources gratuites pour apprendre l'anglais sur Internet. Alors, je viens de vous offrir plein de choses. On va prendre le temps de récapituler. Donc, voici ce que vous allez recevoir. 6 mois d'accompagnement avec les cours d'anglais en live d'une valeur de 600 euros. L'adhésion à Via Code Your Academy d'une valeur de 3840 euros. 1000 pages d'erreurs que les francophones font très souvent d'une valeur de 150 euros. Le livre qui vous fera réussir les entretiens d'embauche haut les mains d'une valeur de 140 euros. L'e-book qui rendra votre prochain voyage moins stressant d'une valeur de 90 euros. Les 7 règles d'or pour apprendre l'anglais comme un natif d'une valeur de 60 euros. L'e-book qui vous fera améliorer votre prononciation d'une valeur de 50 euros, 1000 expressions les plus importantes en anglais d'une valeur de 30 euros, l'e-book des 150 sources gratuites pour apprendre l'anglais d'une valeur de 30 euros, et je vous donne une garantie zéro risque. C'est-à-dire, si après avoir rejoint notre programme en ligne, vous assistez à toutes les sessions de coaching et vous appliquez nos conseils, mais après 6 mois, vous n'avancez pas, c'est-à-dire votre niveau d'anglais ne bouge pas, nous vous rembourserons intégralement votre investissement et vous gardez l'abonnement à vie à Code Your Academy d'une valeur de presque 4 000 $ et les e-books, même si vous décidez de partir après 6 mois. Je répète parce que c'est beaucoup. Vous gardez l'abonnement à vie à Code Your Academy et les e-books, même si vous décidez de partir après 6 mois. Wow! Mais attention, je tiens à préciser. Pas après 1 mois, pas après 2 mois, pas après 3 mois, après 6 mois, car il vous faut vous engager sur cette période de temps pour changer radicalement votre anglais. Donc, voici en visuel tout ce que vous recevez ce soir. N'est-ce pas génial, tout le monde? Look at this, everybody. Just look at this. Just look at this slide, everybody. Just understand what I'm giving you tonight, everybody. This is simply beautiful. Voici l'offre spéciale de ce soir. La valeur totale de cette offre s'élève à presque 5 000 €. Bien entendu, je vais vous l'offrir pour moins que ça. Mais avant d'en arriver là, écoutons le témoignage d'un de nos étudiants, Arnaud Camacho, qui prend nos cours. Et un beau matin, je reçois cette vidéo de lui sur mon WhatsApp disant que grâce à notre programme d'apprentissage d'anglais, il a pu trouver un job dans l'État du Colorado. Tout le monde, un job dans l'État du Colorado. Aux États-Unis. Sachez que Arnaud vit en France et grâce à notre programme d'apprentissage d'anglais, il a pu trouver un job aux États-Unis. On écoute rapidement le témoignage d'Arnaud. Let's go! Hello, Kojo. How are you? It's been a while, no? Lastly, I made an interview with a big company, a French company, and after more than 1 hour of interview with an American HR, I success. So soon, I hope if all the conditions are here, I will be working in Denver, Colorado. So I'm very, very thankful to you, to your coaching, to your help, and yeah, your method is working and working well. So yeah, thank you again. Tout le monde. Voici Arnaud, niveau débutant. Qui a pu trouver un job aux États-Unis grâce à notre programme d'apprentissage d'anglais. Alors, voici une question pour vous concernant le programme de maîtrise d'anglais, tout le monde. OK, si tout ceci, OK, si tout ce que ce programme a fait aujourd'hui, c'est de vous aider enfin à décrocher l'emploi de vos rêves, est-ce que ça vaudrait la peine? Si tout ce que ce programme a fait,
c'est de vous permettre de communiquer en anglais sans être embarrassé. Est-ce que ça vaudrait le coup? Si tout ce que ce programme a fait, c'est de vous donner la liberté d'esprit de voyager dans des pays anglophones, est-ce que ça vaut les frais, tout le monde? OK. Pour mieux cerner la valeur de ce programme, examinons une situation hypothétique de deux candidats, OK, en voyant l'impact de l'anglais sur leur salaire. Deux candidats commencent avec 2000 euros. Vous voyez le graphique rouge et puis vert. Okay. 2000 euros par mois, soit 24K par an. Le candidat en vert apprend l'anglais et grâce à cela, trouve un meilleur job et touche 500 euros de plus, soit 6000 euros de plus par an que le candidat en rouge qui n'a pas de niveau en anglais. Après 5 ans, le candidat en vert, okay, gagne 24 000 euros de plus annuellement que le candidat en rouge. Sur la base de ce simple calcul, quand bien même je ne vais pas vous facturer les 4 990 euros, ce prix se justifie pleinement parce que le retour sur investissement est énorme, n'est-ce pas? Alors, ce soir, j'avais deux choix. Choix numéro un, vendre le plus cher possible pour gagner le plus d'argent. Et vous savez quoi? Ça se justifierait. Car vous-même, vous avez vu les transformations que l'anglais peut opérer dans votre vie. Mais soyez rassurés, je ne ferai pas cela. I'm not going to do that. Choix 2, donner à tout le monde la possibilité de n'investir qu'un petit montant pour garantir vos opportunités futures. Et c'est l'option que j'ai choisie, tout le monde. Je révèle le prix spécial de l'offre dans deux secondes. Mais encore une fois, quelle est la valeur de l'anglais pour vous? Vous vous rappelez, vous avez dit 1 million, 10 millions, 100 millions. Est-ce que l'anglais vaut 10 000? C'est très bas, n'est-ce pas? Vous-même, vous l'avez dit en début de masterclass. Est-ce que ça vaut 50 000 euros par an pour vous? Vous-même, vous avez dit la valeur, c'est nettement plus que ça, n'est-ce pas? Donc, combien paierez-vous pour parler parfaitement l'anglais et avoir finalement accès à toutes les opportunités que vous désirez? Tout le monde, Jim Rohn, l'un des plus grands conférenciers américains, a dit ceci, ce n'est pas le coût du livre qu'il faut considérer, mais ce que ça vous coûtera si vous ne lisez pas le livre. Okay, it is not what the book costs, it is what it will cost you if you do not read the book. Donc, je vais vous montrer ce que ça a coûté à l'un de nos étudiants qui a mis trop longtemps à rejoindre notre programme, tout le monde. On va voir très rapidement ce que ça a coûté à cet étudiant. C'est gros. Vous-même, vous allez voir et après, on va parler de ça tout de suite. OK, on l'écoute très rapidement. Let's go. Roderick, how are you? Hope all is well. I heard that you lost a $35,000 a month opportunity as a result of not being able to speak English correctly. Can you tell me a little bit more about that? Hi, Kojo. The customer wants someone who can express himself with a good level in English. I have had all the skills, but it was the language which was the very big deal. So that is, yeah, 35K is very, per month is very, very good, but so maybe it was not for me. I just have to work a lot in English to prepare myself for the next opportunity. Tout le monde. Une opportunité qui s'élève à $35,000 par mois. Ce n'est pas par an, par mois. Une opportunité de $35,000 par mois, soit 32 500 euros par mois. Vous savez, l'obstacle, le seul obstacle, ce n'était pas ses compétences, ce n'était pas sa situation géographique, ce n'était pas le teint de sa peau, c'était l'anglais. All right, everybody, c'est sérieux, hein? C'est très, très sérieux. All right, juste pour vous dire combien c'est sérieux, cette histoire d'anglais, it is very, very serious, everybody. OK, very serious. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? OK, nous ne sommes pas là pour entendre des histoires moroses, des histoires tristes ce soir. Vous êtes ici parce que vous voulez un changement positif dans votre plan de carrière. Donc, Philippe Mbadinga, qu'on va écouter tout de suite, était dans le même cas. Okay? Et il a fait le saut. Philippe Mbadinga a fait le saut. Et on va écouter tout à l'heure son témoignage. Donc, écoutez comment notre programme a complètement,
complètement changé la vie de Philippe Mbadinga. On l'écoute très rapidement. Sharing the screen. 3, 2, 1, let's go. Salut Kodjo. Bon, il est 6 heures du matin chez toi, je pense. Donc, je voulais pas te réveiller, mais voilà, je voulais te dire merci, déjà dans un premier temps, pour ton professionnalisme, pour ton sérieux et vraiment l'aide que tu m'as apportée. J'ai été pris, mon ami. Donc, après 2h10 de combat, ils m'ont annoncé qu'ils m'ont recruté. Donc là, franchement, voilà, je tenais à... Tu vois, tu es la deuxième personne que j'appelle. Hein. Je tenais à te dire merci. Parce que même au-delà du coaching, il y a le savoir-faire et puis la gentillesse qu'il y a derrière. La gentillesse et le professionnalisme. En tout cas, ton nom et ton projet, je vais le mettre sur tous mes réseaux. Je vais le partager à tout mon réseau professionnel, sachant que bon, voilà, ça fait quand même 8 ans que je bosse en France, donc j'ai pas mal de gens. Mais je te jure, je vais te recommander avec le cœur. Bah, écoute, merci beaucoup encore et bien des choses au tien. Tout le monde, vous ressentez la joie intense dans le cœur de Philippe Mbadinga. Ce n'est pas parce que le job va lui donner une promotion, ce n'est pas tout ça. Oui, bien sûr, il y a eu la promotion, il y a l'augmentation de salaire, tout ça, mais la joie que vous ressentez dans la voix de Philippe Mbadinga, c'est parce qu'il a finalement pu dompter l'anglais, il a finalement pu ouvrir la porte sur n'importe quelle opportunité dans sa vie. Et ça n'a pas de prix. Vous comprenez? Et c'est ce que notre programme fait. Et c'est pourquoi les gens sont prêts à payer le prix qu'il faut. Everybody, that's why people are ready to pay the price that it takes. Nous avons de nombreux cas comme celui de Philippe Mbadinga. Voici une de nos anciennes élèves, Angela, qui a été promue directrice du contrôle des opérations aux États-Unis avec une augmentation de salaire notable de plusieurs milliers de dollars. Et vous savez ce que Angela a fait? Elle a forcé, entre guillemets, son grand frère de nous joindre également dans le programme parce qu'elle a dit vraiment, ce programme a littéralement changé ma vie. Il faut toi aussi, grand frère, que tu adhères à ce programme. All right? Donc, c'est encore une fois, les gens sont prêts à payer le prix qu'il faut parce qu'ils bénéficient énormément de l'apprentissage de l'anglais. Alors, donc, vous comprenez maintenant pourquoi c'est moins cher, même à 5000 euros, n'est-ce pas? Les gens l'achètent normalement à 1500 euros parce qu'ils savent que c'est une bonne affaire, mais parce que vous avez répondu massivement présent ce soir, tout le monde, je vous l'offre exceptionnellement au tarif étudiant de tambour, s'il vous plaît. Boom! 497 euros, tout le monde. 470 euros, everybody. Oh my God! Vous le recevez aujourd'hui au même prix que les étudiants qui sont à l'université et ont un budget limité, paie tout le monde. Vous le recevez à 497 euros. Tout le monde, voici le lien. Je vais partager le lien avec vous dans le chat. I will share the link with you in the chat. Je viens de partager le lien, tout le monde. Cliquez sur ce lien rapidement, passez vos commandes, car les places sont extrêmement limitées. Everybody, places are extremely limited. Places are extremely limited, everybody. I need you guys to click on the link right now. 470 euros for all of this, everybody. For all of this. Tout le monde. Pour tout ça, 497 euros. Alors, aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, vous êtes confronté au fait que presque tout se fait en anglais. OK? Tout se fait en anglais. De plus en plus de personnes autour de vous parlent cette langue. Vous vous sentez prise au piège et vous regrettez avoir négligé vos cours d'anglais au collège ou au lycée. Vous avez beaucoup de compétences dans vos domaines d'expertise, mais vous vous rendez compte que les compétences seules ne suffisent pas, n'est-ce pas? Et vous avez coûte que coûte besoin de l'anglais pour avancer. Alors, si vous vous demandez pourquoi vous devez investir les 497 euros dans votre avenir ce soir, voici quelques raisons. Reason number one, vous investissez dans ce programme d'immersion pour ne plus rater des opportunités d'emploi. Écoutons cette personne, okay, qui a fait le saut parce qu'il manquait trop d'opportunités alléchantes faute d'un bon niveau en anglais.
Écoutons cette personne très rapidement. Let's go. En fait, le domaine dans lequel je suis, tout le boulot se fait en anglais. Et avec mon niveau qui n'est pas actuellement bon, parce que je n'arrive pas à tenir des conversations, c'est difficile de décrocher un boulot. J'aurai des opportunités de boulot, et puis c'est compliqué les entretiens d'embauche, le boulot et tout ça. Et vous, il y a des gens dans le chat qui demandent le lien. J'ai envoyé le lien. Il y a également certains de mes élèves qui envoient le lien. Il y a certains de mes coachs qui envoient le lien également. Donc, le lien est partout dans le chat. OK? On se calme comme je me suis calmé tout à l'heure lorsque mon ordinateur ne voulait pas montrer les vidéos. Calmez-vous et vous allez voir le lien dans le chat. OK? À 497 euros pour acheter votre futur. Votre futur que vous avez dit tout à l'heure en début de masterclass que l'anglais vaut des millions d'euros. Et je vous dis aujourd'hui qu'avec 497 euros, vous pouvez avoir accès à ces millions d'euros. Est-ce qu'on a besoin d'un cours de finance pour voir que le retour sur cet investissement est infini, en fait? On n'a pas besoin de cours de finance, on n'a pas besoin de cours de calcul mental, on n'a pas besoin de cours de mathématiques. Okay? Donc, tout le monde, écoutez, la raison fondamentale pour laquelle les gens nous contacte, c'est parce qu'ils ratent des opportunités tout le temps. Et vous avez certainement le même problème. Raison numéro 2, vous investissez dans ce programme d'immersion pour évoluer dans votre vie professionnelle. Écoutons un autre élève qui a investi dans ce programme, une autre élève qui a investi dans ce programme parce qu'elle a du mal à progresser dans son travail actuel à cause de son faible niveau en anglais. Quand bien même elle a les compétences, tout le monde, elle a les compétences, mais elle ne peut pas. Écoutez, copiez le lien et puis collez ça dans votre navigateur pour pouvoir effectuer l'achat. Il y a des gens qui le font déjà, hein, donc c'est tout à fait faisable. Il y a des gens, vous pouvez copier le lien et le mettre tout simplement dans votre navigateur. On écoute la raison numéro 2 pour laquelle les gens nous contactent tout le temps. Alors, les opportunités, c'est qu'aujourd'hui, je suis dans un cabinet et on a la plupart de nos clients sont français. Mais j'aimerais évoluer, j'aimerais apprendre plus de choses, j'aimerais voir autre chose. Sauf qu'il y a plein d'offres intéressantes, en entreprise notamment, que je ne peux pas postuler, même si je reconnais être en mesure de répondre aux missions, en fait, d'effectuer ces missions-là. Je ne peux pas parce qu'il y a l'anglais qui est un blocage et très souvent c'est anglais indispensable, anglais outil de travail, courant et tout ça. Et moi, je n'ai pas ce potentiel-là. Voilà, j'ai des notions. Vous comprenez? Vous travaillez quelque part, vous ne pouvez pas communiquer avec vos collègues. C'est non seulement embarrassant, mais c'est frustrant au plus haut degré. Littéralement, votre boss vous regarde et dit, mais moi, je peux embaucher quelqu'un d'autre au même salaire qui parle l'anglais convenablement. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui disent, je n'arrive pas à cliquer sur le lien. Vous pouvez copier ce lien, OK? Vous pouvez copier ce lien, OK? Et puis, vous collez ça dans votre navigateur. Ou bien, il y a une de mes coachs dans le chat et même certains de mes élèves qui partagent le lien. Contactez ces élèves, ils vont vous envoyer le lien en privé, OK? Parce qu'ils ont le lien. Ils ont le lien, donc vous pouvez cliquer sur ce lien. Et contactez-les, ils vont vous envoyer le lien en privé. Mais avec ce prix, vous comprenez que le retour sur investissement n'est pas à discuter, tout le monde. Troisième raison pour laquelle les gens nous contactent tout le temps. Pourquoi les gens nous contactent pour améliorer leur niveau d'anglais? Vous investissez dans ce programme d'immersion pour interagir avec vos collègues. Okay, vos collègues. Écoutons cet apprenant qui a investi dans ce programme parce qu'il est obligé de comprendre l'anglais pour mieux échanger avec ses collègues sud-africains. On l'écoute très rapidement. Let's go. Give me one second. Reason number three. Depuis à peu près 3 ans, je travaille dans une entreprise ici en RDC, mais qui a une base en Afrique du Sud.
Donc, le travail sur place en tant que juriste, je le fais en français, mais lorsqu'il s'agit d'interagir avec mes collègues qui sont en Afrique du Sud et dans d'autres sociétés du groupe, je suis obligé de le faire en anglais. Donc, les réunions, les meetings se font en anglais et ce n'est pas toujours facile de bien capter tout ce qui est dit. Et je dois t'assurer que des fois, on me pose des questions, mais comme je n'arrive pas à bien saisir, donc j'ai du mal à répondre et à donner la bonne réponse. Ou alors, des fois, je comprends la question, mais j'ai du mal à répondre parce que soit j'ai un problème de vocabulaire, ou j'hésite à mettre le mot qu'il faut là où il faut. All right, vous voyez. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème que les gens ont avec le lien? Qu'est-ce qui se passe? Il suffit de copier le lien et de coller le lien dans votre navigateur. Ou bien, vous pouvez contacter, si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez contacter Mary D, qui est en train de partager le lien, ou certains de mes élèves qui sont en train de partager le lien dans le chat. Vous pouvez les contacter également. Ils vont vous envoyer le lien en privé et vous pouvez cliquer sur le lien pour effectuer l'achat. Il y a des gens qui le font déjà. Donc, comment est-ce qu'ils arrivent à effectuer l'achat? Donc, ils sont parvenus à cliquer sur le lien. Vous pouvez le faire également. Alors, ce n'est pas fini pour les raisons, hein. Raison 4. Okay? Et donc, vous voyez cet élève qui a dit qu'il a des collègues sud-africains. Les réunions, c'est pénible. C'est pénible. C'est comme une souffrance, un calvaire. Chaque fois qu'il y a une réunion, il est crispé, vous voyez, parce qu'il n'arrive pas à échanger avec ses collègues sud-africains. Et il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui sont dans ces situations-là, où vous n'arrivez pas à échanger avec des collègues qui sont dans d'autres pays. C'est très frustrant. Okay? C'est très, très frustrant. Et c'est la raison pour laquelle les gens viennent à nous pour renforcer leur capacité en anglais. All right, everybody, raison 4 pour laquelle les gens, raison 4 est la dernière. Pour laquelle les gens viennent à nous pour maîtriser l'anglais. Reason number four, everybody, vous investissez dans ce programme de maîtrise de l'anglais pour sécuriser votre diplôme universitaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants dans le chat. Écoutons cet élève, okay, qui s'est lancé dans notre programme parce qu'elle ne peut pas obtenir son diplôme sans parler l'anglais. En France, en France. Et par ailleurs, mon diplôme me demande, pour la validation de mon diplôme, me demande de valider le TOEIC. Sauf que à ce jour, bon, il faut avoir au moins 785 sur 990 pour valider le diplôme. Et actuellement, je me trouve entre 680 et 700. Ça dépend vraiment de l'humeur du jour. Et sans le TOEIC, je ne serais pas diplômée. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que j'ai même besoin de vous convaincre que c'est incontournable, en fait? L'anglais aujourd'hui, c'est incontournable. Ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas avoir son diplôme s'il ne valide pas un test en anglais. En France, en France. Il y a beaucoup de gens comme ça dans cette situation qui sont en cité universitaire, qui suivent des études, de grandes études. Ils ont dépensé beaucoup d'argent, mais l'obstacle là, c'est l'anglais. Vous comprenez? Même l'alternance, pour avoir l'alternance, il y a même une élève qui m'a contacté la dernière fois, a dit que son chef d'alternance a dit que le seul problème pour ton alternance, c'est quoi? C'est l'anglais. Que si tu n'arrives pas à maîtriser l'anglais dans 6 mois, lorsque l'alternance va se terminer, malheureusement, on ne pourra pas te recruter. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement important aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous prouver que c'est important. All right, donc, je suis très content de voir que beaucoup ont déjà fait le pas. Il y a énormément de personnes qui ont pu cliquer sur le lien. Donc, qui ont pu cliquer. Ceux qui n'arrivent pas à cliquer sur le lien, voici ce que vous allez faire. OK. Exceptionnellement. Je vais vous donner mon numéro de WhatsApp, exceptionnellement. Je vais l'écrire dans le chat. Okay? Vous me contactez. Lorsque vous me contactez, dites votre nom. Dites que vous venez de la masterclass, s'il vous plaît. Le nom, dites que vous... Parce que je reçois énormément de messages. Okay? Je reçois énormément de messages. Donc, dites-moi que vous venez de la masterclass et que vous avez besoin du lien pour effectuer le paiement. C'est tout. Donc, ne racontez pas beaucoup de choses, juste ça, votre nom
que vous venez de la masterclass et que vous avez besoin du lien pour effectuer le paiement. Exceptionnellement, parce que je ne donne pas mon numéro de WhatsApp, mais je vais vous donner ça tout de suite. Mon numéro de WhatsApp, c'est le +1 917 294 67 64. Mon numéro de WhatsApp est dans le chat. Maintenant, je vais l'envoyer tout de suite. +1 917 294 67 64. Let me repeat that in English. +1 917 294 8764. +1 917 294 8764. Okay, +1 917 294 67 64. All right, everybody, contactez-moi. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont pu cliquer sur le lien ou qui ont accédé au lien. Ceux qui n'ont pas pu, s'il vous plaît, contactez-moi en WhatsApp. Ne me contactez pas par un WhatsApp en me disant « Oh, Kojo, s'il te plaît, est-ce que tu peux réduire ?» J'ai déjà réduit de façon significative. Ce que je vous dis là, c'est le prix étudiant. Il n'y a pas plus bas que cela. Et vous-même, vous avez dit ça en début de masterclass, que l'anglais représente des millions pour vous. Donc, vous voyez, acheter 1 million avec 497 euros, la question ne se pose pas, n'est-ce pas, everybody? All right, so... OK, donc, voici tout ce que vous recevez, OK, ce soir, tout ce que vous recevez ce soir qui a une valeur de presque 5 000 euros, et c'est à vous aujourd'hui au tarif étudiant de seulement 497 euros. Don't let this opportunity pass by, OK, ne laissez pas passer cette opportunité. Donc, en résumé, vous avez Kojo English, OK, pour vous aider à parler couramment l'anglais. Vous avez Kojo Academy pour vous aider à maîtriser la grammaire et éviter les erreurs qui reviennent tout le temps. Et vous avez 7 différents e-books, c'est-à-dire livres numériques, qui sont extrêmement importants. Tout cela pour seulement 497 euros, everybody. Oh my God! 497 euros. Je viens de laisser mon numéro encore une fois dans le chat. OK, je viens de laisser encore mon numéro dans le chat. Contactez-moi par WhatsApp, mettez votre nom, dites que vous venez de la masterclass et que vous avez besoin du lien pour effectuer l'achat. Je vous l'envoie tout de suite. Après, juste après la masterclass, je vous l'envoie moi-même et je vais m'entretenir, c'est-à-dire je vais faire l'entretien de tous ceux qui ont déjà payé. Je vois plein de gens qui ont déjà payé. Je vais faire votre entretien aujourd'hui et demain et après-demain. Vous saurez exactement dans moins de 72 heures. Quand est-ce que vous commencez vos cours? Quel est votre niveau d'anglais? Ainsi de suite. All right, everybody. Donc, est-ce que vous vous souvenez de Sonia que j'ai mentionnée sur les premières pages de la masterclass? Do you remember Sonia? I mentioned her in the first few pages of the masterclass, celle qui a essayé pendant 10 ans de pouvoir apprendre l'anglais sans succès et finalement s'est jetée dans notre apprentissage d'anglais. On va voir exactement ce que Sonia pense de notre programme d'apprentissage d'anglais. Donc, je vais jouer tout de suite le témoignage de Sonia. Sonia est ici. Est-ce que Sonia est là? Sonia, are you here? Peut-être que je dois m'entretenir directement avec Sonia en live. Ça sera superbe, n'est-ce pas? On écoute Sonia très rapidement. Let's go. There is a saying in English. Sky is the limit. And this is exactly what I have been experiencing for almost 2 years with the Gorgeous English program. Hi, my name is Sonia, and I work as a relationship consultant in the field of training, coaching, and image consulting, all around communication and personal development. I am a communicative woman. Therefore, you can just imagine how frustrating it was for me to do not speak English about my job. I'm passionate about my job. That's why I decided to take a leap of faith and send a message to Coach Kojo. And you know what? I was in a kind of crossroad in my personal life and my professional life. It's not easy at all when you are surrounded with people who just want to dim your light, who just want to do not use your power. And most importantly, it can be very frustrating to
to feel that you can be more than you are, and you can do better than you are to impact positively your life and the life of the others. That's why I decided to send this message. And I can say that it literally changed my life. Then I can say that the way that we are learning English is not a regular way, because we are laughing, we are teaching things in the group, in a safe space, you know. And I met up with huge people in this program. So I was in the point of my life where I needed to change things and to be the master of my life. Finally, I did it. So if I did it, you can do it. But don't waste your time waiting for the right moment, waiting for being perfect, waiting for the right timing. It's now. Just do it now. You are able. You can do it. Learning English is more than you can expect of it. Because it's like you are developing another personality, because my voice is not the same when I'm speaking French and when I'm speaking English. I'm different. And it's so amazing to discover that you can be yourself differently, strongly. It's just amazing. Take your leap of faith and just do it now. Thank you, Sonia. Thank you. Est-ce que Sonia est toujours dans le chat ou elle est partie? Parce que j'avais vu Sonia en début de chat. Sonia, are you still here? Il y a des gens qui me posent plein de questions et il y a quelqu'un qui dit Kojo, mais réponds-moi, réponds-moi. J'ai cinq écrans devant moi. Je suis en train de manipuler des choses techniques et les gens me disent, mais Kojo, réponds-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, hein, s'il vous plaît, ayez de l'empathie pour moi, ok? Je vais vous répondre tout à l'heure. Pour ceux qui disent, est-ce qu'on peut payer en plusieurs fois? Envoyez-moi le message par WhatsApp, ok? Et je vais vous faire cette doléance. Mais je vais étudier vos cas spécifiquement pour voir pourquoi vous avez besoin de payer en plusieurs fois, en trois fois. Notamment, on peut le faire en trois fois, 199 euros en trois fois. Mais lorsque vous faites le paiement en trois fois, sachez que c'est plus que le paiement en une fois. Pourquoi? Parce que la valeur d'un euro aujourd'hui vaut plus que la valeur d'un euro dans 6 mois, dans 12 mois, etc. Donc, c'est toujours mieux de payer en une fois. Comme ça, vous épargnez. Donc, lorsque vous payez en trois fois, c'est 199 euros sur 3 mois, ce qui fait 597 euros au lieu de 497 euros. C'est pourquoi je vous ai envoyé le lien de 497 euros et non le lien du paiement en trois échelons. Vous comprenez? Donc, c'est clair. Lorsque vous me contactez, ayez ça déjà en tête, que si vous voulez payer en trois fois, ça sera 199 euros payés sur trois mois. Le premier mois aujourd'hui, ensuite deuxième mois dans un mois, troisième mois dans deux mois. OK? That's the way it goes. So, I just want you guys to keep that in mind when you contact me in WhatsApp. Oui, papa, mais papa, s'il vous plaît, papa, s'il vous plaît. J'ai cinq écrans devant moi, j'ai la caméra devant moi, j'ai des hein, vous voyez, et tout ça. Et papa dit, mais Kojo, réponds-moi. All right, everybody, mon numéro de WhatsApp, c'est dans le WhatsApp comme pas possible, OK? Mon numéro de WhatsApp, thank you, Mary, thank you so much. Il y a Ginette qui a dit, j'ai pris des cours dans le chat. Il y a des gens qui prennent nos cours, et qui sont dans le chat là maintenant, qui disent qu'ils ont pris les cours et que les cours sont superbes. Vous pouvez contacter ces gens-là en privé si vous voulez. Les cours, ça marche. Pourvu que vous marchiez avec. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans le programme, qui croisent les bras et qui veulent apprendre l'anglais par osmose. Ce n'est pas possible. L'anglais n'est pas magique. Il faut ouvrir la bouche pour parler. Si vous vous rappelez du secret du G, c'est quoi? Il faut ouvrir la bouche.
All right, very, very important. Alors, à présent, vous avez deux options, tout le monde. You have two options, everybody. Option A, ne rien faire et continuer tout simplement de rater les opportunités de carrière future malgré notre garantie de satisfaction à 100%. Ou bien option 2, vous faites comme beaucoup l'ont déjà fait ce soir, qui ont pu cliquer sur le lien ou bien qui ont pu pris le lien et le mettre dans leur navigateur. Ils ont effectué l'achat là maintenant. Comme eux, vous pouvez faire cet investissement minime comparé à la valeur que vous obtiendrez en retour et regarder votre vie se transformer complètement. Alors, nous avons une philosophie ici en interne selon laquelle si nous ne pouvons pas vous aider à changer votre vie grâce à l'onglet, eh bien, nous ne méritons pas votre argent. Donc, encore une fois, vous avez une garantie zéro risque, c'est-à-dire si après avoir rejoint notre programme en ligne, vous assistez à toutes les sessions de coaching et vous appliquez nos conseils, mais après 6 mois, vous n'avancez pas, nous rembourserons intégralement votre investissement et vous gardez bien entendu Kojo Academy adhésion à vie d'une valeur de 3 840 €. Vous gardez les e-books également. Je répète, pour ceux qui n'ont pas bien compris, vous gardez l'abonnement à vie à Kojo Academy qui s'élève à 3 840 € et vous gardez également les e-books. Mais je tiens à repréciser que c'est si vous partez après les 6 mois, pas après 1 mois, pas après 2 mois, pas après 3 mois. Il n'y a pas de remboursement parce que normalement, il faut vous engager sur une période minimum de 6 mois pour changer radicalement votre niveau d'anglais. Alors, la vraie question, c'est ce que Sonia vient de dire tout à l'heure dans la vidéo. Ne vaut-il pas la peine de faire un acte de foi? C'est ce qu'elle a dit dans la vidéo. Et de consacrer toute votre énergie à ce programme pendant les 6 mois à venir pour voir s'il marchera pour vous. OK? Même si cela ne réussit qu'à moitié, votre anglais sera nettement mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Okay? Alors, à partir de ce moment, si vous avez des questions, patientez juste un petit moment, mais écrivez ces questions-là quelque part et puis je vais pouvoir vous donner l'opportunité de poser les questions tout de suite. Alors, comme je le disais, nous avons transformé la vie de milliers de francophones, tout comme vous, qui ont un réel besoin en anglais. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si vous avez besoin de l'anglais, mais plutôt quand est-ce que vous aurez besoin de l'anglais, OK? Parce que ce temps arrive au galop. Ce temps arrive. Est-ce que vous serez prêt quand cette heure va sonner? Un proverbe chinois dit, le meilleur moment pour planter un arbre était il y a de cela 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. C'est aujourd'hui, c'est ce soir. It's now, everybody. It's now. Écoutons le témoignage de Leila qui prend les cours Kojo English et Kojo Academy. Donc, vous allez pouvoir comprendre pourquoi the Kojo Academy est extrêmement important et va de pair avec Kojo English. On écoute très rapidement Leila. Let me share the screen really quickly. 3, 2, 1, go. Hello, moi c'est Leila, j'ai rejoint Kojo Academy il y a quelques mois et il faut savoir que moi au départ, j'ai d'abord rejoint Kojo English avec des cours en direct, donc avec une coach attitrée, parce qu'il faut savoir que moi j'ai acheté plein de livres d'anglais, etc. Ils sont là, ils prennent la poussière, mais je voulais vraiment avoir une façon de pouvoir suivre les cours régulièrement tous les jours en quelques minutes, voilà. Et Kojo Academy est tombé à pic parce que justement, il y a une partie grammaire. Donc, il y a 100 vidéos que vous pouvez voir en fait très courtes pour vous expliquer les fautes en fait qu'au font la plupart des francophones en anglais. Donc, ça, c'est top. Il y a aussi une partie avec des cours de développement personnel. Et il y a également une partie où Kojo nous donne 100 fautes d'anglais à chaque fois. Il y a aussi un côté où vous pouvez poser des questions à Kojo et Kojo vous répond. Donc, je suis totalement satisfaite et je pense continuer, bien sûr, avec les cours et pourquoi pas combiner, en fait, la plateforme avec les cours en live avec Kojo. Donc, voilà. Franchement, si vous hésitez encore, je vous recommande à 100% Kojo English, que ce soit les cours en live ou les cours avec l'académie. Car c'est le seul moyen d'apprendre rapidement l'anglais. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Leila, une de nos étudiantes, qui a dit ça. C'est le seul
moyen, c'est la seule méthode pour bien maîtriser l'anglais. Kojo English, Kojo Academy, ça va de pair. Aujourd'hui, vous recevez les deux. Vous recevez beaucoup plus de choses que ces deux-là. Vous recevez énormément de livres numériques également. J'étais en train de voir mes messages sur le téléphone. Il y a plein de gens qui ont commencé à m'envoyer des messages. Il y a plein de gens qui ont déjà fait l'investissement. Hein. Donc, le lien marche. Le lien doit marcher. Si je vois des textes, messages qui disent j'ai effectué le paiement, c'est quoi le processus qui va suivre, etc. Ces gens-là ont pu cliquer sur ce lien. Donc, si vous voulez quelque chose, vous pouvez le faire. Vous comprenez? Vous pouvez le faire. Vous pouvez contacter Marie. Vous pouvez m'envoyer un message, etc., etc. Donc, vous pouvez le faire. I believe in you. Je crois en vous. OK? All right. Ça, c'est Eva Kanga, originaire de la Côte d'Ivoire, âgée de 32 ans. Eva est entrepreneur en import-export. Elle est responsable d'une centaine de personnes. Voici des photos qu'elle nous a envoyées d'une conférence à Dubaï. Devinez la langue de la conférence. Et en anglais, bien entendu, elle me remerciait de l'opportunité qu'elle a dans notre programme de pouvoir perfectionner son anglais au point de lui ouvrir nettement plus d'horizons et d'opportunités de contrat avec des gens qui sont venus de pays anglophones. Elle se rend bientôt au Vietnam également pour affaires. Voici Gilbert, 26 ans, originaire de Haïti, qui vit en France depuis l'âge de 10 ans. Il a obtenu un master en marketing digital. Donc, vous savez que dans ce domaine, il faut nécessairement l'anglais. Littéralement, dans tous les domaines, il vous faut l'anglais. Il a rejoint notre programme avec un niveau extrêmement débutant. Aujourd'hui, il a un niveau intermédiaire. Et vous voyez les photos qu'il nous a envoyées là. Ces photos, vous voyez la flèche rouge. La flèche rouge, c'est où? Ça marque San Diego, qui n'est pas très loin de San Francisco. Il a pu effectuer un voyage aux États-Unis, découvrir d'autres horizons, a pris des photos, s'est fait de nouvelles relations, etc. Vous savez, votre réseau détermine votre valeur. Et pour tisser votre réseau dans un pays anglophone, il vous faut quoi? L'anglais, everybody! Ça, c'est Maris avec un profil exceptionnel qui travaille comme directrice de cabinet du président de la Banque Ouest Africaine de Développement, qui a pris nos cours également, mais qui était extrêmement occupée malgré cela. Ça ne l'a pas empêché de prendre nos cours. Ça, c'est Lina qui travaille comme assistante personnelle du président de la République du Congo. Okay? Président de l'assistante. Et ça, c'est elle dans la petite photo. Là, vous la voyez avec Antoine Tshisekedi, le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc, c'est l'assistante personnelle du président de la République. L'anglais est extrêmement important pour elle parce que le président voyage dans beaucoup de pays, notamment des pays anglophones. Et si elle ne connaît pas l'anglais, son job est à risque. Ça, c'est Fatima Ba, 35 ans, qui a pu décrocher un job à Nairobi, au Kenya. Elle a déménagé toute sa famille de la Guinée-Conakry à Nairobi, pays anglophone. Fatima est francophone à la base. Avec notre programme d'apprentissage d'anglais, elle a pu faire cela. Ça, c'est Hadra, étudiante en France, qui a économisé pour investir dans ce programme. Okay? Donc, nous avons plein d'étudiants qui suivent nos cours, raison pour laquelle nous avons mis le prix si bas afin qu'ils puissent également en bénéficier. All right, everybody. Thank you, Mary. Marie fait un travail exceptionnel dans le chat en remettant mon numéro WhatsApp. Pour le WhatsApp, du coup, vous n'avez pas besoin du 00, OK? Donc, c'est plus 1-917-294-87-64. Vous n'avez pas besoin du 00, OK? All right, donc ça, c'est Mariama Diallo, 66 ans, ancienne ministre du Tourisme de la Guinée-Conakry et étudiante, qui était étudiante dans notre programme également, qui prouve que ni l'âge ni le temps ne sont un facteur dans l'apprentissage de l'anglais parce qu'elle gère 6 entreprises et elle a ouvert la 7e entreprise qui est un salon business VIP à l'aéroport de Guinée-Conakry. Comment fait-elle pour épargner du temps pour apprendre l'anglais si elle peut le faire? Tout le monde peut le faire. Ça, c'est Jeanne Zézé. Si vous êtes sur LinkedIn, vous connaissez Jeanne Zézé. Si vous ne connaissez pas Jeanne Zézé, vous connaissez son mari Stanislas Zézé. Okay? Donc, si Jeanne Zézé peut trouver le temps pour apprendre l'anglais, vous pouvez trouver le temps pour apprendre l'anglais parce que cette dame est occupée comme pas possible. Allez sur LinkedIn, tapez son nom, Jeanne Zézé, vous allez voir ce qu'elle fait dans la vie. All right? Olivier Pontenot, tapez son nom dans LinkedIn, vous allez voir ce qu'il fait dans la vie. 41 ans, entrepreneur comme Jeanne Zézé, a fondé un cabinet de notariat où il gère 50 employés. Il a pris nos cours également parce que l'anglais était décisif
pour lui. S'il vous plaît, ne partagez pas vos numéros WhatsApp, je ne vais pas vous contacter. Si vous partagez votre numéro WhatsApp dans le chat, je ne vais pas vous contacter, je n'aurai pas le temps. Il faut plutôt m'envoyer un WhatsApp, un message WhatsApp en signifiant votre nom, en disant que vous venez de la masterclass. Comme ça, je vais prioriser parce que je reçois énormément de messages. Si je ne vois pas masterclass, peut-être je vais vous répondre dans 3 jours, dans 4 jours, dans 5 jours. OK? Et ensuite, me demander le lien pour acheter si vous ne pouvez pas cliquer sur le lien. All right, ça, c'est Nelly, 23 ans, étudiante en licence en géographie en France. OK? En tant qu'étudiant, elle a un budget limité, mais comme le programme est très abordable, elle a pu s'offrir ce cadeau sans se soucier de ses finances, mais aussi parce qu'elle sait à quel point l'anglais est important si elle veut obtenir un diplôme et trouver un emploi. Alors, comme vous le voyez, les profils des apprenants qui participent à notre programme est très varié, n'est-ce pas? Et le point commun, c'est qu'ils n'ont ni le temps, okay, et la vaste majorité des étudiants n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent, mais ce n'est pas un frein pour eux. Voici un tout petit peu la panoplie de profils qu'on a dans notre programme d'apprentissage d'anglais. Directeur administratif et financier, gestionnaire de portefeuille, entrepreneur, chef de projet, secrétaire, professeur d'université, médecin, statisticien, avocat. C'est sûr que votre profil est nécessairement sur cette page. Et si votre profil est sur cette page, vous avez nécessairement besoin de l'anglais dans votre vie. Combien de temps allez-vous refouler cette idée que l'anglais est extrêmement capital pour vous aujourd'hui? Donc, vous voyez très bien que c'est des personnes ordinaires comme vous et moi qui sont dans notre programme et que quel que soit votre profil, l'anglais aujourd'hui est plus que nécessaire. Alors, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux. J'ai plus de 500 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn, Telegram, Instagram, Facebook combiné. Cela me fera plaisir de vous voir dans mes commentaires, notamment sur LinkedIn. Nous avons des milliers de commentaires positifs sur nos coachs et notre méthodologie d'apprentissage. Voici le témoignage de quelqu'un que peut-être certains d'entre vous, vous connaissez. Ça, c'est Miss Africa, Miss de toute l'Afrique, Dorcas Dayenda, qui a pris nos cours également. Miss élue de toute l'Afrique qui a pris nos cours. On va écouter très rapidement ce que Dorcas Dayenda pense de nos cours d'anglais. Écoutons Dorcas tout de suite. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, je voulais vous parler de, pour ceux qui sont dans le besoin, comme moi, d'améliorer ou d'apprendre l'anglais. L'année dernière, j'avais commencé mes cours d'anglais et ça se passait super bien. Sauf que, en fait, j'ai dû arrêter. J'ai pas pu finir parce que j'étais tout le temps partie. Et donc là, je viens de reprendre et ça fait une semaine. C'est ma deuxième semaine. Je vais vous mettre l'Instagram de mon coach. Franchement, il est top. Et je ne dis pas ça uniquement pour faire de la pub, mais il est vraiment top. Déjà, l'année dernière, j'en parlais. En fait, avant, j'avais des cours privés. Et là, en fait, il m'a mis dans un groupe. Et on a des cours 2 fois par semaine, des cours d'une heure. Et franchement, je ne sais pas comment les autres profs procèdent. Mais franchement, lui, rien à dire. Ah, mais ce n'est pas moi qui ai dit ça. It's not, I didn't say that. She said it. She said it. I didn't say that. She said it. OK? Et il y a même des gens dans le chat qui sont en train de témoigner, OK, de l'efficacité de nos cours. Raymond Zunon, par exemple, qui dit, je vais mettre son témoignage tout de suite pour que vous puissiez voir. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est des gens qui sont dans le chat. I started, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, elle a dit qu'elle a commencé il y a juste un mois et qu'elle peut témoigner de qu'elle a beaucoup, beaucoup appris, beaucoup amélioré déjà son niveau d'anglais, OK, en un mois. Donc, vous comprenez que ce programme est légitime et que ça marche. Il y a des gens qui sont ici et j'admire le fait qu'il y a des gens qui sont ici qui sont déjà dans le programme. Ah, Sonia, I see you, Sonia. Oh, si je pouvais faire un appel avec Sonia là maintenant, ça serait vraiment sympa. Ce serait vraiment sympa, mais vous avez pu entendre Sonia, n'est-ce pas? Vous avez pu entendre son témoignage, donc pas la peine de faire un appel avec Sonia, ça sera redondant. Donc tout le monde, écoutez, ça, la photo du milieu là avec Dorcas Dayenda, Miss Africa, elle a tenu à envoyer une photo avec l'ordinateur qui monte l'écran de notre page, de notre site web, avec un grand sourire pour témoigner du fait qu'elle
adore les cours d'anglais. Et la photo à gauche, je l'ai croisée à l'aéroport de Charles de Gaulle la dernière fois que j'étais en France. Alors, tout le monde, je vous rappelle, pour ceux qui ont pris le train en marche, je vous rappelle ce que vous recevez, everybody. Alors, qu'est-ce que vous recevez? Les cours d'anglais en live, 6 mois d'accompagnement d'une valeur de 600 euros. Kodjo Academy, adhésion à vie d'une valeur de 3 840 euros. 1000 pages d'erreurs en anglais pour les francophones d'une valeur de 150 euros. Les secrets de l'entretien d'embauche en anglais réussi d'une valeur de 140 euros. L'anglais facile pour le voyage d'une valeur de 90 euros. 7 règles d'or pour apprendre l'anglais comme un natif d'une valeur de 60 euros. Améliorer votre prononciation avec 30 vidéos d'une valeur de 50 euros. 1000 expressions les plus importantes en anglais d'une valeur de 30 euros. 150 sources gratuites pour apprendre l'anglais d'une valeur de 30 euros. Et bien entendu, la garantie zéro risque qui vous donne la tranquillité d'esprit. La valeur totale de cette offre s'élève à 4 990 euros. Les voici en visuel. OK, bien entendu, vous n'allez pas payer ce prix, n'est-ce pas? All right. Donc, avec ça, vous êtes à 100% sûr d'améliorer votre niveau d'anglais de façon exponentielle en 6 mois. Alors, question pour vous. OK, question for you, everybody. Quelqu'un pose la question dans le chat, la date limite pour s'inscrire. La date limite pour s'inscrire, ça dépend de la capacité parce que j'ai dit les places sont limitées. Donc, même si je disais que la date limite, c'est demain, si ce soir, parce que je vois défiler sur mon téléphone, j'ai mon téléphone ici, je vois défiler plein de gens qui ont déjà fait l'achat, ben, si les places sont fermées ce soir, donc ça sera ce soir. Donc, activez très rapidement, cliquez sur le lien, envoyez-moi un message, je vais vous envoyer le lien. Mais si malheureusement les places sont bouclées, donc il va falloir attendre des mois avant qu'on ouvre encore un nouveau cycle, tout le monde. Donc maintenant, je suis sûr que vous connaissez beaucoup de gens qui veulent apprendre l'anglais, n'est-ce pas? Il y a des gens autour de vous qui veulent apprendre l'anglais. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer un moyen de toucher une commission lorsque vous référez le programme Kodjo Academy aux personnes autour de vous qui veulent apprendre l'anglais. Okay. Il y a des personnes nécessairement autour de vous qui veulent apprendre l'anglais. Donc, comment faire? Puisque je suis infiniment généreux, tout le monde, j'ai une dernière offre spéciale pour vous. Okay? I have one last offer for you since I am infinitely generous, everybody. Exclusivement pour les 30 premières personnes qui se sont inscrites. Ouh, je crois que peut-être qu'on a déjà dépassé les 30 personnes. Je vais dire les... Wow. Donc, je vais changer ça exceptionnellement pour les 50 premières personnes qui s'inscrivent ce soir. OK, pour les 50 personnes qui s'inscrivent ce soir. All right. Boom. Vous bénéficiez du guide ultime pour gagner de l'argent en aidant des gens à apprendre l'anglais. Tout ceci grâce à Kodjo Academy. J'explique très rapidement. Kodjo Academy, nous avons un programme d'affiliation qui vous permet de gagner de l'argent, tout comme les entreprises qui se trouvent sur cette slide que vous voyez, qui ont également des programmes d'affiliation. Vous êtes en quelque sorte mon partenaire de visibilité et chaque fois que vous partagez Kodjo Academy avec des gens, c'est qu'ils s'inscrivent, vous gagnez une commission. OK? Donc, autrement dit, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas investir le paiement de 497 euros, car avec ce programme d'affiliation, vous allez pouvoir recouvrer l'intégralité de votre investissement ce soir. Alors, comment gagner 3 000, ça, c'est juste un exemple, hein, comment gagner 3 000 euros par mois avec le programme d'affiliation Kodjo Academy, j'explique très rapidement. Donc, vous gagnez une commission, vous percevez une commission de 15 dollars chaque fois que quelqu'un que vous référez s'abonne ou s'inscrit à Kodjo Academy. Vous recevez 15 dollars. Donc, si vous partagez le Kodjo Academy avec 200 personnes, ça fait combien? 15 multiplié par 200, ce qui fait 3 000 $. Donc, lorsque vous faites l'investissement ce soir, je vais vous envoyer également la vidéo tutoriel de comment how to take advantage, okay? How to take advantage of Kodjo Academy, comment profiter de Kodjo Academy afin que vous puissiez vous construire du résiduel, OK? Du résiduel à côté. It is very, very, very legitimate. It is very important. Et donc, grâce à Kodjo Academy, il n'y a plus d'excuses à ne pas, OK? À ne pas sauter, à ne pas faire le pas. All right, everybody. Donc, tout ce que vous allez recevoir ce soir, everybody, let's talk about it. What are you getting tonight?
What are you getting tonight? All right, donc à tout ceci s'ajoute donc l'opportunité de rémunération. Voici tout ce que vous recevez. À tout ceci s'ajoute l'opportunité de rémunération, okay, qui a une valeur inestimable tout simplement. Donc en fait, la valeur dépasse nettement les 4 990 euros. Mais je ne vais pas vous facturer ce prix. Vous le savez déjà, je vous l'offre pour seulement 497 euros. Le lien est dans le chat ou bien contactez-moi sur WhatsApp. Je vais vous envoyer le lien. Plus 1 917 294 87 64. Plus 1 917 294 87 64. Alors, ça, c'est Jenny. Jenny s'est inscrite dans notre programme et il y a tellement, tellement de choses positives qui sont arrivées dans sa vie. Tellement de choses positives. Je ne peux pas vous raconter le nombre de choses positives qui sont arrivées dans sa vie grâce au fait qu'elle a pu apprendre l'anglais dans notre programme et qu'elle continue d'apprendre l'anglais dans notre programme d'anglais à tel point qu'elle a convaincu son mari de venir. Ils sont venus me visiter à la maison. Ça, c'est une photo que j'ai prise dans ma maison. C'est ma femme qui a pris cette photo. C'est le mari de Jenny que vous voyez à gauche. C'est Jenny au milieu. C'est moi à droite dans le t-shirt jaune. OK, donc l'anglais, littéralement, ça soulève les montagnes. All right, everybody. Voici David Ouattara qui vous explique pourquoi, OK, pourquoi il faut absolument joindre Kojo English aujourd'hui. On écoute très rapidement David Ouattara. Je vais partager mon écran. 3, 2, 1, go. Hello everyone, my name is David. I come from Côte d'Ivoire and I live in Canada at Quebec City. You know, what I want to share with you is my beautiful experience with Kojo's English group. You know, before joining the group, I have always wanted to improve my English skills, but I thought that I would never have the time to do that. When I saw the group on LinkedIn, I was immediately attracted by this type of platform because I can learn from home, I can learn from work, and I can learn from everywhere because I have access to the course with my cell phone. And another thing that I can share with you is the quality and the type of the course and culture also takes its time to correct all of my mistakes. So that promotes self-confidence and learning. Now I want to motivate a person who will wait the next year to join the group. Do not wait until tomorrow or the next year because we cannot have always the time to do what you need or what you love. So sometimes we have to create this time. So we are waiting for you. We want to learn with you. And yes, have a good day. It's David. Bye-bye. David a dit quelque chose de très puissant. N'attendez pas demain pour le faire. C'est ce qu'il a dit. N'attendez pas. Il y a tellement de gens qui tergiversent. Littéralement, il y a des gens, ça fait des années qu'ils veulent apprendre l'anglais. Ils n'ont pas encore sauté le pas. Tout ce qu'ils sont en train de sauter, c'est des opportunités après des opportunités. Opportunités alléchantes. Okay? Opportunités alléchantes après opportunités alléchantes. Combien de temps voulez-vous patienter avant de prendre cette décision qui va totalement changer votre vie de façon positive? Hein? Combien de temps vous allez patienter pour faire cela? I'm just asking you a question. Alors, ce que David n'a pas dit dans sa vidéo, parce que ça faisait déjà une longue vidéo, c'est quoi? C'est que David vit au Canada, sa mère vit à Madagascar. Un jour, ils se parlaient et il a changé, il a commencé à parler en anglais. Sa mère dit, mais c'est quoi ce truc? Où est-ce que tu as appris ton anglais? David dit, ben, je l'ai appris dans un programme d'apprentissage anglais qui s'appelle Kojo English. La semaine qui a suivi, sa mère a rejoint littéralement le programme de notre programme d'apprentissage anglais. Juste pour vous dire. Et sa mère est extrêmement occupée parce qu'elle travaille pour les Nations Unies en tant que consultant. L'anglais change énormément de choses. Elle le sait, il le sait également. Et je sais que vous le savez. Vous le savez, bien entendu. Alors, donc, cette formation va bien au-delà de l'apprentissage de l'anglais, tout le monde. I just want you to understand that this goes far beyond just learning English. Ça va bien au-delà. Il s'agit d'un programme de réseautage. En fait, nos étudiants créent des liens. Okay? Regardez ces belles photos que nos étudiants ont partagées avec nous. Ils se rencontrent dans la vraie vie. Okay? Ils se rencontrent dans la vraie vie.
Et ça va vraiment au-delà d'un simple programme d'apprentissage de l'anglais, n'est-ce pas? Okay. Alors, pour terminer avec les témoignages, et vous pouvez poser n'importe quelle question, voyons pourquoi cette étudiante dit que notre programme est ce qu'il vous faut, est le programme qu'il vous faut. Okay. On écoute très rapidement Manon Poirot dans son petit témoignage « Let's go ». Je n'ai jamais accordé une quelconque importance à l'apprentissage de l'anglais. Je prenais surtout cela pour un poids. Puis, il y a respectivement 7 mois, j'ai décidé de reprendre mes études et ainsi de me tourner vers la comptabilité. De là, j'ai eu une grosse prise de conscience de l'importance de l'anglais dans la vie professionnelle. Vous vous demandez sûrement pourquoi un tel changement radical sur un avis plutôt négatif de l'initiation à la langue anglaise. Je vous répondrai simplement « Kojo ». En effet, je l'ai contacté via les réseaux sociaux et Kojo a eu des arguments percutants et surtout une force d'esprit exemplaire. J'ai donc décidé d'essayer ses cours. Aujourd'hui, je suis fière de vous dire que je suis étudiante en anglais avec ma professeure Mina. Sa méthode d'enseignement pourrait convenir à n'importe qui. Elle est très agréable tout en restant très professionnelle. Nous apprenons en nous amusant. L'anglais n'est plus un poids, mais devient un élément essentiel à la routine professionnelle. Je ne suis aucunement déçue. Je dirais même que Kojo English est LA formation qu'il vous faut. C'est pas moi qui le dis. Il y a tellement de gens qui sont passés par le programme et disent la même chose. Manon a dit Kojo English est LA formation qu'il vous faut. Elle n'a pas dit c'est une formation qu'il vous faut parmi tant d'autres. Non, c'est LA, avec L majuscule, la formation qu'il vous faut. Et j'ai tagué tout de suite une conversation, j'ai tagué des commentaires dans le chat. Majoline qui a commenté, je vais remettre le commentaire de Majoline. Mais Jenny, j'ai partagé sa photo tout à l'heure, vous avez vu la photo de Jenny qui a dit « You changed my life since I joined this program. Leadership, communication skills, self-confidence. I'm so grateful. Thank you, Kojo. Thank you, Jenny. I appreciate it a lot. Merci d'être venue témoigner. » Elle n'avait pas besoin de venir témoigner, tout le monde. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle a fait juste parce qu'elle est reconnaissante de ce que le programme lui a pu donner et elle veut que vous aussi, vous puissiez goûter à cela. Okay? Et Majoline tout à l'heure a dit que Kojo English changed my life. Kojo English changed my life. I have beautiful friends and brothers abroad. Elle continue. You will gain. Vous allez améliorer votre confiance en vous. Ce n'est pas seulement qu'une classe, c'est une grande famille et nos coachs sont simplement amazing. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires dans le chat? Yes. Wonderful. Wonderful. Coach, can we get a replay? Si vous avez des questions, vous allez les poser tout à l'heure. Donc, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'on peut avoir le replay? C'est sur LinkedIn. Si vous allez sur LinkedIn, vous pouvez avoir le replay. OK. Mariam, une autre de nos étudiantes. Our super coach is the best. Thank you, Mariam. Thank you so much. Merci. Merci, Rosine. Thank you. I appreciate it, Rosine. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Thank you so much. Alors, pour ceux qui nous viennent de nous rejoindre, ont pris le train en marche une dernière fois, je vais vous dire ce que vous recevez. Voici l'offre phénoménale de ce soir. Les cours en direct de Kojo English d'une valeur de 600 €, l'adhésion à vie à Kojo Academy d'une valeur de 3 840 €, l'e-book de 1000 pages d'erreurs que les francophones font tout le temps d'une valeur de 150 €, l'e-book des secrets d'un entretien réussi en anglais d'une valeur de 150 €, l'e-book pour vous aider à voyager l'esprit tranquille d'une valeur de 90 €, l'e-book les 7 règles d'or pour apprendre l'anglais comme un natif d'une valeur de 60 €, l'e-book des 30 prononciations d'une valeur de 50 €, l'e-book qui vous montre comment accéder à 150 sources gratuites pour apprendre l'anglais d'une valeur de 30 €.
l'e-book des 1000 expressions les plus utilisées d'une valeur de 30 euros et bien entendu l'opportunité de toucher plus de 3000 euros par mois de commission en étant mon partenaire de visibilité et bien entendu la garantie zéro risque, c'est-à-dire si après 6 mois votre anglais n'évolue pas, on va tout simplement vous rembourser. Parce que là, ça serait un cas de sorcellerie, un cas de maraboutage, okay, un cas de charlatanisme. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment vous serez dans le programme pendant 6 mois et votre niveau d'anglais ne va pas bouger. Donc, nous, on ne veut pas avoir affaire aux charlatans, aux marabouts et tout ça. Après 6 mois, si ça ne réussit pas, on vous rembourse littéralement sans question. All right, on ne veut pas des sorciers dans notre programme. All right, donc, tout ceci a une valeur, bien évidemment, de 4 990, plus de 4 990 euros, surtout avec l'opportunité de gagner des commissions. Mais aujourd'hui, je vous fais une offre spéciale uniquement pour les 2-3 jours à venir parce que les places seront complètement bouchées de toutes les façons. Mais je vous dis, si vous avez de la chance, peut-être dans 2 jours, les places seront toujours là. Si vous avez de la chance, parce que tel que j'ai vu tout à l'heure, les gens qui ont décidé de faire le pas, je ne pense pas qu'il y aura de la place. Donc, envoyez-moi un message rapidement dans le WhatsApp. Le numéro, c'est +1. Vous n'avez pas besoin du 00. C'est un numéro américain. Donc, +1. Dans WhatsApp, c'est +1 917 294 87 64. All right, everybody. +1 917 294 87 64. All right. Alors, avant de continuer, s'il vous plaît, mettez yes dans le chat si vous avez adoré cette masterclass avant de faire les questions-réponses. Mettez-moi un yes dans le chat si vous avez adoré la masterclass. Mettez-moi un yes dans le chat, s'il vous plaît. I need a yes in the chat if you like the masterclass, everybody. Yes. Okay. All right. Yes. Beautiful. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thank you. Et merci énormément à tous ceux qui ont déjà pris la décision. C'est l'une des décisions les plus importantes de votre vie que vous venez de prendre aujourd'hui. OK? C'est l'une des plus importantes décisions que vous venez de prendre dans les 10 années passées. All right? Parce que ce que l'anglais a fait dans ma vie, je ne peux pas, même une journée ne suffit pas. Une journée ne suffit pas pour en parler. Vous comprenez? Une journée, c'est tellement grand, c'est tellement vaste. Il y a même des choses dont vous ne pouvez pas rêver, mais avec l'anglais maintenant, votre rêve, vous élargissez votre champ de rêve. Vous comprenez? Et si vous ne pouvez pas rêver quelque chose, vous ne pourrez jamais l'atteindre. Vous voyez, l'anglais vous permet de rêver nettement plus grand. Et je n'essaie pas de vous convaincre, hein. On a suffisamment d'élèves. Mais moi, mon but, c'est d'aider ceux qui ont la volonté. Parce que si vous n'avez pas la volonté, vous venez, vous croisez les bras, vous dites, mais Kodjo, fais ton miracle, etc. Ça ne va pas marcher. It's not going to work. Je vais parler un tout petit peu anglais parce qu'il y a des sceptiques dans le groupe qui peut-être pensent que, oh Kodjo, mais qui es-tu pour enseigner l'anglais, etc., etc. Donc, je vais parler anglais un tout petit peu. J'espère que vous allez comprendre. Je vais expliquer ce que j'ai dit. All right, everybody. So, d'abord, est-ce que vous voulez que je fasse la voix d'Obama ou bien quoi? Do you want me to speak like Obama? Or... All right, donc, what I want to tell you, everybody, is tonight's decision is probably going to be one of the best decisions you've ever made in your life, okay? I just want y'all to understand that. It is probably one of the best decisions you've ever made because English makes you dream much, much bigger. When you speak English, your dreams become much bigger and the opportunities that open their doors to you are much vaster. So what I'm asking you tonight is to trust the process and to believe that if you jump both feet forward, this program is going to reward you in ways that you're not ready to understand. Ce que je suis en train de dire, c'est que si
vous faites un acte de foi et que vous sautez les deux pieds joints dans le programme et que vous êtes prêt à pratiquer l'anglais de façon fréquente dans le programme, ce programme va faire des changements, va opérer des miracles dans votre vie. Vous n'êtes même pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. All right? Ou prête. OK? On n'exclut personne. All right, everybody. Je vais prendre des questions très rapidement. Let me take some questions, everybody. Je prends des questions. Allez-y très, très, très rapidement. OK. Est-ce que nous pouvons avoir un peu de temps pour le paiement? Est-ce que nous pouvons? Il y a plein de gens, Marius, il y a plein de gens qui ont déjà sauté les deux pieds joints. Donc, si vous dites « on », vous voulez dire « je », n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir un peu de temps pour le paiement? Je demande cela à cause des étudiants. Moi-même, on a plein d'étudiants dans le programme qui ont fait le sacrifice. Vous savez, il y a une citation qui dit que si vous n'êtes pas prêt de sacrifier pour vos objectifs deviennent le sacrifice. If you're not ready to sacrifice for your goals become the sacrifice. Okay? C'est toujours comme ça dans la vie. Hein. Il y a certaines opportunités qui ne se révèlent pas deux fois. Vous comprenez? Et ça, c'est une de ces opportunités-là. All right, everybody, next question. Donc, sautez à l'eau, envoyez le WhatsApp, plus 1-917-294-8764. D'autres questions? All right, donc, d'abord, qu'est-ce qui va se passer après que vous ayez fait l'achat? Je vais commencer déjà l'entretien dès ce soir. Hein. Moi, je ne dors pas. Je vais commencer l'entretien dès ce soir. Il y a plein de gens qui ont fait... je suis en train de regarder mon téléphone. Il y a plein de gens qui ont déjà fait l'investissement. Donc, je vais déjà commencer l'entretien ce soir. Et donc, vous verrez mes messages. On va faire l'entretien dans le WhatsApp. D'ici, aujourd'hui, c'est dimanche. D'ici mercredi, vous saurez exactement votre niveau d'anglais. Vous saurez quand commencer les cours. Si cette question n'a pas encore été posée, je vais... très rapidement y répondre. Notre programme, les cours, c'est des cours en soirée. Donc, ceux qui sont un tout petit peu hésitants à sauter les deux pieds joints, c'est des programmes en soirée. Donc, ce n'est pas dans la journée. On vous laisse le temps de rentrer à la maison tranquillement, de prendre votre douche, même de dîner. Et après, vous vous connectez sur ordinateur. Et c'est des cours en audio, ce n'est pas en visio. Donc, vous n'êtes pas complexé de montrer votre background. Vous voyez, moi, j'ai un joli background, mais ce n'est pas tout le monde qui a ça, malheureusement. Et donc, vous ne vous serez pas complexé. La caméra est off. Vous parlez avec le prof, vous parlez avec vos camarades de classe. All right? Alors, Pierre Joseph qui dit « Comment appliquer les méthodes du GIF au quotidien? Que faire ?» C'est dans notre programme. On vous donne tout ça. J'ai déjà partagé la méthode du GIF pendant une heure de temps durant cette masterclass. Maintenant, j'ai dit que c'est l'application de l'information qui génère la transformation. C'est ce que j'ai dit. Et qu'il y a beaucoup qui ont reçu l'information, mais qui ne savent pas comment pratiquer cette information. Et que dans notre programme d'apprentissage anglais, nous vous tenons littéralement la main. OK, Pierre-Joseph, nous vous tenons littéralement la main parce que notre programme est basé sur la méthode du GIF. Does that make sense? All right, next question. OK, on est nombreux pour le Binta. Binta, what are you doing here? Binta, ça fait 3 ans, 4 ans que vous voulez apprendre l'anglais. Qu'est-ce qui se passe, Binta? Binta, don't do this. Binta, you need to start now, tonight. J'espère, Binta. Binta, don't do this. I know you. All right. Puis-je faire le... OK, autre question. Puis-je faire le paiement lundi? Car le service en ligne de ma banque sera disponible. C'est cool. Envoyez-moi un message WhatsApp ce soir. N'attendez pas lundi parce que dès que les places sont closes, je ne peux rien faire pour vous. Envoyez-moi un message dans WhatsApp, OK, me disant la même chose. Et on va réserver une place pour vous au cas où il n'y aura plus de place. OK? All right, question répondue. Joe Muck. Wow, Joe Muck, vous êtes d'où? Muck, j'ai jamais vu ce nom de famille. Possible de payer en tranche. Joe Muck, j'ai déjà expliqué ça. Vous avez peut-être pris le train en marche. 3 paiements. Donc, on a un paiement de... Oh, j'ai montré mon doigt de milieu. On a un paiement de 480... Vous savez ce que ça veut dire montrer le doigt de milieu, n'est-ce pas? Un paiement de 497 € ou bien 3 paiements de 199 € chacun. Donc, c'est sur 3 échelons, 3 mois. Le paiement sur 3 mois équivaut à 597.
pas à 497 parce que la valeur de l'argent aujourd'hui est mieux que la valeur de l'argent dans 6 mois, dans 12 mois. Ça, c'est la règle basique de la finance qu'il faut comprendre. Donc, si vous payez en échelon, c'est toujours plus que si vous payez en un seul montant. OK? Donc, c'est pourquoi. Et également, on veut récompenser ceux qui auront activé le paiement en une fois. All right? Donc, Joe Muck, c'est possible de payer en tranches, 3 tranches. All right, Diaby, how much? Oh, Diaby, how much? How much? Dites à Diaby, c'est combien? C'est combien, Diaby? Quoi d'autre? Puis-je faire... OK, c'est cool, j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, everybody? Comment appliquer les méthodes? Oh, j'ai déjà lu ces questions. Où sont les autres questions? OK, je vois. Donc, what difference? Oh, Falilou pose la question en anglais. J'apprécie. OK, what difference for this opportunity and the program in the website? OK, il y a des fautes dans votre phrase, mais je n'ai pas le temps de corriger. Donc, ce que Falilou veut savoir, c'est quelle est la différence entre notre programme et ce qu'il y a sur ce site? Ce qu'il y a sur ce site, c'est Kojo Academy. C'est 40 dollars le mois. Je vous donne ça gratuitement dans ce pack-là. Le pack de ce soir, je vous donne Kojo Academy à vie, littéralement à vie. OK? Plus des cours Kojo English. Donc, si vous avez écouté le témoignage de Leila, elle parlait de Kojo English pour la conversation et Kojo Academy pour la grammaire et les erreurs que les francophones font tout le temps. Donc, vous avez besoin de la conversation. Vous avez besoin d'une grammaire soutenue également. Parce que si vous parlez, 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 que vous faites beaucoup d'erreurs de conjugaison, de grammaire, etc., les gens ne pourront pas bien vous comprendre. Quelqu'un vient juste de nous rejoindre. Mouna, Barlher, Koulchibérer. Alhamdoulilah, Barklah, au fait. Mouna, vous êtes du Maroc. J'apprends la langue marocaine. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mzienne? c'est la même méthode du GIF que j'applique pour apprendre le derija. Vous voyez, donc ça marche en fait, ça marche. Il faut juste parler, parler, parler. Mouna, c'est quoi le tarif? Mouna, le tarif, au lieu de 5 000 euros, le tarif, c'est un dixième de cela. Le tarif, c'est un dixième de cela. OK? C'est 497 euros. Et nous avons mis le lien dans le chat. Le lien dans le chat. Mary, do you mind sending the link in the chat again? Si Marie est là, si elle peut renvoyer le lien dans le chat pour vous. Mais sinon, vous pouvez juste me contacter dans WhatsApp. Je vais vous envoyer le lien de paiement dans WhatsApp. Lorsque vous me contactez dans WhatsApp, Mouna, dites votre nom. Dites que vous venez de la masterclass parce que je reçois des centaines de messages par jour. Je veux prioriser. Si je vois masterclass, je vais rechercher. Je vais faire une recherche masterclass. Si je vois masterclass, je priorise. Les autres qui n'auront pas dit masterclass, peut-être je vais vous répondre dans 5 jours, dans 1 semaine, dans 2 semaines, parce que je reçois trop de messages. All right, Mouna. Very good. Philip, l'entretien, c'est pour jauger le niveau. Oui, c'est pour évaluer votre niveau d'anglais, pour savoir exactement dans quel groupe vous placez. On a 5 groupes. Débutant, 0. Débutant, basique. Débutant, avancé. Intermédiaire et intermédiaire avancé. Il faut que je sache, et c'est moi-même qui vais vous interviewer dans WhatsApp. Ça ne sera pas au téléphone, je vous envoie quelques questions, vous répondez. J'ai fait plus de 20 000 entretiens. Je ne sais pas si vous connaissez, quelqu'un qui a fait plus de 20 000 entretiens, si vous connaissez quelqu'un qui a fait plus de 20 000 entretiens, capturez cette personne, apprivoisez cette personne dans une cage pour moi, je vais étudier sa constitution biologique. OK, parce que faire 20 000 entretiens, OK, donc j'ai fait plus de 20 000 entretiens. Je peux déceler votre niveau lorsque vous parlez en 2 minutes. Je peux savoir littéralement dans quel groupe vous placez. Noël, partenaire de visibilité, comment fait-on? J'ai expliqué cela dans la masterclass. Je ne veux pas reprendre ce que j'ai déjà fait. All right, everybody, c'est tout. C'est tout, everybody. Contact me on WhatsApp. You know exactly what to do. Vous savez exactement quoi faire. All right, everybody, thank you so much for being here tonight. I appreciate it a lot. Thank you for being here. Je sais que vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Vous avez décidé d'être ici, de supporter et de me supporter. Et également, vous êtes ici parce que vous savez que l'anglais est extrêmement important. Je compte sur vous dans mon WhatsApp. Venez nombreux, on vous attend. It's Coach Joe, your English coach. Take care, everybody. See you.